Thank you.
Et coucou tout le monde! Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Alors attendez, hein, je guette un petit peu tout. Vous m'entendez, c'est bien. Voilà, comment est-ce que vous allez? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous ai laissé tomber pendant un petit moment, hein. Non, pas si longtemps que ça, mais enfin quand même, hein. J'ai des petits soucis et du coup, j'ai pas pu faire de live. Donc voilà, bon, on se retrouve ce soir, hein. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Hein. En plus de ça, j'allume là et puis j'avais des petits soucis techniques. Je me suis dit, punaise, je vais être en retard. J'ai été obligée de piquer une manette à petit coccinelle parce que, je sais pas, le Joy-Con, alors que j'ai pas joué avec cette Switch... elle m'a fait n'importe quoi ma Switch là ce soir. J'avais pas joué avec et tout et elle m'a fait batterie faible sur le Joy-Con gauche. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai vite piqué. Heureusement qu'on a plusieurs Switch. Hein. J'ai vite piqué une manette, un petit coccinelle et puis là ça a l'air d'aller. Donc tant mieux, tout va bien. Alors coucou qui, coucou Naturel, comment ça va? Coucou Valital, coucou Anaïs, est-ce que vous allez bien? Oui. Pense au pouce, merci Valétal. Ah là là, heureusement que Valétal, elle est là pour faire penser au pouce. Hein. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce que je veux dire? Dites-moi donc si vous entendez le son du jeu. Ça m'intéresse parce que comme à chaque fois qu'on change de jeu, c'est jamais la même force au niveau du son. Vous me dites hein, si des fois c'est pas trop fort ou bien pas assez. Attendez, je me tais. Écoutez. Est-ce que vous entendez le son du jeu? Il y a une petite musique de fond comme ça. Mort de rire, elle dit, Valétal. Ben ouais. En plus, ça me fait trop plaisir parce que depuis le temps que j'avais ce jeu, en fait, je l'ai commandé. Oh, attendez, j'ai dû le commander au mois d'octobre. Je l'ai reçu au mois de novembre, il me semble. Parce qu'il était sorti au mois de novembre. Et du coup, ben, on ne l'avait pas essayé. Hein, je viens de le déballer. Hein, donc, voilà. Ouais, on fait tellement de trucs, du coup, moi, j'avais vraiment pas eu le temps. Donc, c'est Spirit of the Island, mais c'est Paradise Edition, sauf que, je sais pas du tout, j'ai l'impression, regardez, j'ai un code à débloquer, faut que je mette un email, et j'ai essayé déjà deux emails différents. Vous voyez, c'est marqué là sur l'écran, débloquer le code. Donc, a priori, c'est l'email qui va avec la console. J'ai mis deux emails déjà. Et pour le moment, je n'ai rien trouvé. Ça me marque à chaque fois email invalide et tout. Donc, faut que j'essaye de voir ce que c'est que cette histoire. J'imagine bien qu'en plus, c'est peut-être Comment ? L'extension, hein, Paradise Edition, donc du coup, il va falloir que je vois ça pour la prochaine fois. Moi, j'imagine qu'on n'en a pas besoin tout de suite maintenant, mais voilà, il faudra que je regarde ce truc-là. Il doit y avoir un petit code à télécharger quelque part pour avoir des choses en plus. Je vous montre un petit peu, je vous montre un petit peu la boîte. Hein. Et parce que regardez, la boîte, c'est... Voilà, voilà. Donc là, à mon avis, ça, c'est la boîte du jeu d'origine. Hein. Donc, pas avec le Paradise Edition qui est donc ici. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un truc à télécharger par rapport à ça. Il va falloir que je vois. J'ai mis deux emails différents. Ça me paraît bizarre. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faudra que je regarde. Hein. C'est pas toujours simple avec Nintendo, ce truc-là. Oui, c'est sur Switch, hein, le jeu. Hein. Donc, ouais, autrement, qu'est-ce que j'avais? J'avais regardé des petits autocollants sympas et tout dans la boîte. Ouais, j'ai vraiment de l'ouvrir. Hein. Et puis, un petit guide pour présenter... les personnages du jeu, enfin bon, bah, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça donne, ce jeu. Le Paradise Edition, là, il est sorti au mois de novembre, hein. Le jeu de base était sorti avant, mais celui-là, il est sorti au mois de novembre. Bon, on verra bien. Alors, j'imagine qu'au début du jeu, on n'a pas besoin de ça, ça doit être après, donc on verra. Comment est-ce que vous allez, les gens? Est-ce que vous allez bien en ce dimanche 24 mars? Ben ouais, oh là là, dites donc, ça passe, hein. On est au printemps, on va bientôt changer d'heure, et puis c'est bientôt mon anniversaire. Non mais je dis ça, je dis rien, voilà, ah ben faut bien, hein. Allez, c'est parti, de toute
toute façon, hein, on a tous un anniversaire qui arrive. Alors, débloquer le code du coup, bon, bah ça, c'est pas possible. Les réglages, j'ai mis juste en français, donc j'espère que le reste, ça va aller. Pour de toute façon, on va se tester ça tranquillou, pépère ou tranquillou, mémère, comme vous voulez, ou les deux. Et voilà, on va faire ça tranquille. On va regarder un petit peu ce que ça donne, ce jeu. Et puis, bon, c'est un jeu de farming, hein. Donc voilà, ça va nous rappeler pas mal de choses dans les jeux qu'on a déjà faits, j'imagine. Mais bon, on est là pour faire le petit test. Ah bah oui, je l'avais acheté, on n'allait pas ne pas tester ce jeu quand même, hein. Alors, donc du coup, bah, on va faire démarrer. J'espère que ma tronche est bien placée et que ça va pas trop gêner au niveau du jeu, on verra, hein. Je déplacerai peut-être ma tête suivant... Voilà, parce que là c'est, je suis bien pour Animal Crossing, mais là, je ne sais pas si je suis bien pour ce jeu-là. On verra bien. Allez, c'est parti, on y va? Vous ne m'avez pas dit si vous entendiez bien le son. Donc Anaïs, elle a acheté le jeu, mais elle l'a pas encore commencé. Ok, bah écoute, hein, ça va tout te spoiler, du coup, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, vous m'avez... Alors, est-ce que vous entendez le son? Je vous ai posé trois fois la question, hein. Dites-moi. Bon, je ne sais pas si c'est le son-là qu'on aura dans le jeu, mais on verra bien de toute façon. Oui, moi, ça va bien, écoute. Mis à part que, voilà, j'ai eu pas mal de petits soucis, j'ai eu pas mal de trucs à gérer. D'ailleurs, c'est pas complètement terminé. Plus qu'on a monté plein de meubles dans la maison et que c'est encore pas terminé. Je vous dis pas, on est encore dans le bazar, là. Enfin, j'ai pas eu trop de temps pour faire de live. Mais là, c'est bon, hein? On est là ce soir et on est bien là. Et on y va, d'ailleurs. Allez, démarrer, c'est parti! Ah, je me doutais que ma tronche allait gêner. Donc alors attendez, on va se mettre là, puis on verra, hein, de toute façon. On verra bien, hein. Pas trop pour le moment le son du jeu. Ok. Alors attendez. Attendez, attendez, attendez. On va regarder. Je vais regarder ce que je peux faire, hein. Ce que je peux faire. Là, est-ce que c'est mieux? Dites-moi. Ouais, j'ai mis plus fort là. Est-ce que vous entendez mieux? Dites-moi. Vous me dites si c'est OK. J'ai monté le son. Moi, j'entends très bien. Oui, non, mais moi, tu m'entends. Je veux juste savoir si vous entendez le son du jeu. Parce que des fois, bon, bah, c'est quand même mieux d'avoir... d'avoir un petit peu le son du jeu, hein. Mais comme pour chaque jeu, c'est différent, c'est pas toujours évident, on est obligé de vous demander, parce que nous, on n'entend pas forcément ce que vous vous entendez, hein. C'est parfait. Nickel Chrome. Bon, allez, c'est parti. Alors, du coup, voyons voir. Nouvelle partie. Votre nom. Saisissez votre nom ici. Alors, bah, nous allons nous appeler Coccinelle, hein. J'espère qu'on peut faire fille et garçon, j'en sais rien. On verra bien. Bien récupéré de ma fatigue naturelle. Eh bien, écoute, tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut pour le week-end. N'est-ce pas? Alors, là, je t'entends. Oui, vous m'entendez, mais est-ce que vous entendez le jeu? Je sais que vous m'entendez. Je sais que vous m'entendez, j'ai mon micro en face de moi. C'est le son du jeu que je veux que vous entendiez aussi, et pas que moi. Je sais bien que j'ai une très jolie voix, mais quand même, j'aimerais bien que vous entendiez le jeu. Bon, il y a une petite musique un petit peu répétitive là, mais bon, au pire, c'est pas très grave. Hein? Allez, on s'appelle Coccinelle. Oui, vous entendez. Bon, bah très bien. Alors, nom de la propriété. Nom de la propriété, c'est-à-dire. Et coucou Karine, bienvenue. Bienvenue sur le chat. Et Coccinelle, deuxième Coccinelle, coucou, comment ça va? Nom de la propriété, c'est-à-dire, vous pensez que c'est ma maison? Enfin, c'est ouais, ma maison et puis le terrain, j'imagine. Ok, ben on va appeler ça comment? J'en sais rien, moi. Vous avez une idée? Oh, faut le nom de la ville et le nom de la région. Ben dis donc, on n'a pas pensé, on n'avait pas réfléchi à tout ça, hein, pour le coup, hein. Oh là 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 là!
Il faudrait sinon que tu incrustes juste ton visage. Oui, je sais. Mais bon, il faut un fond vert pour ça, j'en ai pas. Oui, je sais. Mais bon, c'est pas grave, hein? Eh oui, il faut un fond vert et tout quand on veut incruster juste sa tronche et tout ça. Eh ben oui, il en faut du matos, hein? Mais je l'ai pas. Oui, ça va très bien, Karine. Je disais justement que je vous avais laissé un petit peu pendant une semaine, deux semaines, j'en sais rien, je sais plus. Mais voilà, j'ai eu des petits soucis et puis pas mal de choses à faire. Donc du coup, pas trop le temps de live. Bon, vous m'aidez un peu là, pour le coup. Nom de la propriété, donc de la maison et du terrain. Nom de la ville, nom de la région. Oh, ben je vous raconte même pas quoi. Nom de la région, je pense qu'on peut revenir sur les autres après. On va mettre, j'en sais rien, attendez, on va se dépatouiller. On va y aller par élimination. On va appeler ça... Ouais, très bien, Coxy, très bien. Donc là, pour le monde, on va l'appeler... On va pas s'enquiquiner. On va l'appeler Cox. On va partir sur des Cox, hein, de toute façon, comme d'hab. Hein. On va partir sur Cox World. Le monde de Cox. Ça, c'est pour le monde. Voilà. Alors, Cox World. Voilà. Ça, c'est bon. Pas le world. Ça veut ça, quoi. Donc, Cox World, c'est fait. Ensuite, il faut le nom de la ville. Bah, Cox Town. Et puis Coxy. Allez, c'est parti. Hein, non, mais on va y aller comme ça. On va partir sur des Cox. Ça sera plus rigolo. Donc là, on va dire donc Coxy. Pour le nom de la propriété, donc de la maison. Ok, donc ça, c'est bien. Donc voilà, c'est Karine qui avait trouvé. Et puis, pour le nom de la ville, eh ben, soit... ben, Coxville. Coxville? On met Coxville? C'est mieux que Coxtown, je trouve. Hein? Parce que j'avais presque... Je voulais le mettre en anglais, mais je me dis que c'est pas plus mal comme ça. Qu'est-ce qu'on aime, les débuts de jeu, comme ça? Moi, j'adore ça, je sais pas vous, mais... J'adore à chaque fois les débuts de jeu, moi. Des fois, je recommencerai un jeu juste pour le début. Hein, on le fait dans Animal Crossing. Hein. Coxville, ça vous va? C'est marrant? Allez, go. Parce que Coxtown, ça fait bizarre, je trouve. Allez, go. Ouais, Coxville, c'est très bien. Allez. Voilà. Bon, ben, on est bien, là. On est bien. Coxville, Coxy, Coxville, Coxinelle, Coxy, Coxville, Coxworld. Hein? Moi, ça me paraît bien. Donc, ensuite. Ah, là, il faut choisir. Nous sommes une fille. Attendez, je ne comprends pas pourquoi il y a une couleur à choisir. Coxyville? Tu préférais Coxyville? Oh, Coxville, c'est bien. Oh, on ne va pas s'enquiquiner, on ne va pas retourner. batterie. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? Ces Joy-Con qui sont pas chargés. Attendez, c'est le droit maintenant. Attendez, il y a un petit souci. Parce que là, moi, je veux pas être en panne de Joy-Con. Je vais faire la même chose. Je vais piquer le deuxième Joy-Con de petit coccinelle. Du coup, je vais piquer le deuxième. Et puis, bah, je vais l'installer. Le problème, c'est que pour l'installer, il faut que je prenne ma Switch. Donc, vous inquiétez pas, ça va faire tout noir. C'est pas grave. Oh non, mais je vous jure. Vous savez ce que je crois? Je crois que je sais ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé? Je crois qu'en fait, quand j'ai rangé ma Switch sur le... Attendez, ça devrait être bon. Hein? Quand j'ai rangé ma Switch sur le dock, à mon avis, elle n'était pas bien enfoncée. Vous voyez? Et du coup, il y a tout qui s'est déchargé. Parce que je n'avais pas joué depuis un petit moment. Et du coup, je crois que c'est ça le problème. Donc là, est-ce que c'est bon? Je regarde si les deux Joy-Con marchent. C'est bon celui-là? Allez. Je n'ai pas l'impression qu'il marche celui-là. Zut. Attendez. Hein.
Petit souci technique de la reprise. Non mais ça m'énerve par contre. Attendez, je reprends la switch. Désolée. Hein. Petit souci technique du début. Ah non mais Nintendo, j'espère que sur la nouvelle Switch, ils vont nous faire des Joy-Con qui vont être un peu plus... Attendez, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir dans les paramètres de la Switch parce qu'il faut absolument que tout fonctionne. Je ne vais pas partir avec des manettes qui sont à moitié chargées. Hein. Celles de Petit Coccinelle, elles sont chargées, donc tant mieux. Alors, ok. Normalement, là, c'est tout bon. Hein. Oui, c'est bon. Ok, voilà. Non, parce que quand on veut synchroniser des Joy-Con, c'est le plus simple, c'est de les mettre directement sur la Switch. Hein. Ça marche mieux. Donc, voilà. Allez, normalement, là, on est OK. Ah ben, c'est tout un petit bazar, hein. Je vous raconte même pas. Là, c'est OK. Là, c'est OK, voilà. Tout à l'heure, je sais pas, ça n'avait pas trop bien marché, je crois, la synchronisation. Allez, on y retourne. Non, mais là, au moins, on part avec deux Joy-Con qui sont bien chargés. Je vous dis, je crois que je sais ce que j'ai fait avec mes Joy-Con blancs. En fait, j'ai pas dû, vous savez, poser la Switch correctement sur le dock. Et du coup, elle s'était complètement déchargée. C'est pour ça que j'ai eu des soucis pour la mettre en route aussi tout à l'heure. Parce que du coup, elle était complètement déchargée. Bon, là, du coup, ça va aller. Ah, je vous jure. Bon, c'est quoi cette histoire de couleur? Donc, on a dit, on met fille. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est le vêtement? Est-ce que vous pensez que c'est la couleur du vêtement? On essaie pour voir. Attends, on va regarder. Ah non, c'est la couleur de la peau. Ah d'accord. Donc on peut carrément faire... Shrek ou bien un schtroumpf. Non, comme ça, un schtroumpf. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Oh là là, regardez! On peut se mettre une couleur de peau. C'est vraiment trop chelou. Vous avez vu? On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Oui, bon, on va rester sur une peau claire. Mais c'est marrant, en vrai, hein? On peut vraiment mettre la couleur de peau qu'on veut. Je trouve ça très bizarre parce que du coup, ça fait drôle, quoi. Là, on dirait qu'on est à moitié... sur certaines couleurs, on dirait qu'on est à moitié malade. Waouh! Bon, allez. Non, on reste sur la couleur, hein. Donc, ok, ça, c'est bon. C'est bizarre hein, qu'ils aient mis des couleurs de peau comme ça, je trouve. C'est vraiment trop chelou. Bon, allez, on part sur les cheveux. Ah, oh, d'accord, on aura la même couleur pour les cheveux. D'accord, donc on peut se faire vert avec les cheveux verts ou comme on veut, quoi. Du coup... Et ben voilà, ça va vite être vu au niveau des couleurs. Je vais mettre la bonne couleur. Je suis pas comme ça en vrai. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on n'aura pas trop le choix. Allez, on va se mettre... Mais on peut vraiment faire du blanc? Non, ben on va mettre blond comme ça. Allez, on va pas chercher trop midi à 14h. Allez, on se cherche une petite coupe de cheveux sympa. Il y en a pas 1000, il y en a 6, 7, 8. Hein. Ou rien. Attendez, on peut mettre rien? D'accord, oui, donc voilà, du coup, il y en a 9, on peut se mettre chauve si on veut. Je ressemble pas du tout à une fille hein, quand même là. Hein. Allez, on essaie. Donc ça non, on peut pas voir mieux, non, on peut pas voir mieux. On a ça, c'est plutôt pour des gars, hein, ça. Ouais, ça aussi. Bon, ça va vite être vu les coupes de cheveux. Hein. on a ça. On a ça. Pff, ça va partir là-dessus. On a ça. Ou on a ça. Franchement, on va mettre celle-là. Parce que ça, je trouve que la frange, là, elle est vraiment bien épaisse hein, quand même. Hein. On va mettre celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal. Hein. On se fait ça? On se prend ça? Allez, go. Les yeux. Ah ouais? Mais alors là, les yeux, par contre, on n'a pas le choix de la couleur. Là, on n'a pas toutes les couleurs comme tout à l'heure. Bon, bah tant pis. Allez, il faut bien regarder, par contre. Hein. Ok.
Oula, là, on dirait qu'elle a peur. Là, ceux-là, ils sont sympas, le deuxième. J'ai oublié de changer. Ah bon? T'es sûr que j'avais pas changé? Yes, merci. Je l'avais changé tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi ça a pas marché. Bon, du coup, merci, hein. Parce que du coup, attends. Non, mais ça veut pas en vrai. Pourquoi ça veut pas? Vous avez vu quand je change? Si, je pense que c'est bon. Regardez, elle est choisie, elle est blanche. Donc là, c'est OK, hein, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est OK. Quand c'est en blanc, ça veut dire que c'est bon. Parce que regardez, la coiffure, elle est bien changée et elle est en blanc. Donc c'est OK, je pense, hein? Et là, les yeux, c'est pareil. Il faut que ça soit mis blanc, en fait. Bon, les deuxièmes, le deuxième, j'aime bien. Celui-là, ça, on dirait qu'elle a peur. Là, elle est étonnée. Là, elle est en colère. Là, on sait pas trop. Là, oh non, je veux pas avoir les yeux tout le temps comme ça. Là, elle louche à moitié, je trouve. Et là, il y a ceux-là. Vous préférez les derniers ou ceux-là? Moi, j'aime bien ceux-là, non? Ou ça? Des petits ronds ou des petits yeux en hauteur, en fait. Celui-là ou le dernier? Vous préférez quoi? Le deuxième ou le dernier? Je sais pas, celui-là, je le trouve sympa, non? Ça vous le fait? Ça me paraît pas mal. C'est dommage qu'on puisse pas mettre de couleur, mais bon, tant pis. En fait, t'as forcément les yeux noirs, quoi. Hein? C'est pas grave. Bref, c'est, vous me dites hein, si ça vous plaisait pas les yeux, mais moi je trouve que c'est pas mal. Ah, alors attendez. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Enfance, amoureux de la campagne. Ouais, ça serait bien moi ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le deuxième, oui, bah c'est ce que j'ai mis. Voilà. Enfant, survivant, gastronome. Attendez, on va regarder, c'est marqué sur le côté. J'ai pas vu. Alors, amoureux de la campagne, vous aimez la vie loin des villes. Non, mais c'est moi ça. S'occuper d'une ferme vous apporte de la joie et les animaux comptent beaucoup pour vous. Le travail manuel ne vous fait pas peur. Oui, et j'ai oublié de préciser que je vais essayer aujourd'hui de ne pas aller trop vite. Ah, le dernier, c'était bien, tu trouvais, Anaïs? Mince. Du coup, on n'est pas tous d'accord pour les yeux. Ouais, ok, d'accord. Donc, oui, je disais que je vais essayer de ne pas aller trop vite comme d'habitude. Vous savez que je vais toujours trop vite et qu'à chaque fois, je ne comprends rien ce que je fais parce qu'en fait, je veux faire des choses en avance de ce qu'il faut. Et à chaque fois, dans les jeux, c'est mon problème. Donc, on va essayer d'aller tranquille et de lire ce qui est marqué. Voilà. Alors, le travail manuel ne vous fait pas peur. Non, mais ça, ce serait bien moi quand même, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Survivant. Vous avez appris à vous défendre à l'école et à trouver des plantes et autres produits organiques dans la nature. Glaner de la nourriture et partir à la découverte sont vos activités préférées. En vrai, j'aime bien ça aussi, mais bon. On peut pas tout mettre. Gastronome. Pour vous, la cuisine est un art et les épices sont de l'or. Mais tout va aller bien pour moi en vrai. Oh là là. Vous pensez toujours à de nouvelles recettes. Vous savez préparer les produits de la terre aussi bien que ceux de la mer. En fait, le premier, c'est vraiment tourné, je pense, autour des animaux. Le deuxième, c'est tourné plus autour des plantes. Le troisième, là, c'est plus tourné autour de la cuisine. Tout dépend, je pense, de ce que on veut faire peut-être dans le jeu, quoi. Enfant populaire. Enfant, vous aimiez parler aux autres et on appréciait beaucoup votre présence. Partir en aventure avec vos amis faisait partie intégrante de votre enfance. Donc ça, c'est peut-être plus tourné sur les relations sociales, je pense, hein, j'imagine. Ce serait moi aussi, hein. Donc vraiment là, faut vraiment, en fait, faut vraiment mettre ce qu'on préfère, quoi. Oh, constructeur, tout peut se réparer ou se fabriquer, il suffit d'avoir de l'imagination. Oh, mais en fait, tout est bien. Après, je pense qu'on a la possibilité de tout faire, mais peut-être que quand on choisit quelque chose en particulier, on doit peut-être développer ça en
plus que les autres, j'en sais rien. Ah là là, vous aimez construire des choses et en détruire d'autres. Le lien entre la logique et l'artisanat définit ce que vous êtes aujourd'hui. Bah mince alors. Ben mince alors, moi je vais pas savoir. Collectionneur, oh, vous êtes fasciné par tout ce que le monde a à offrir. La cuisine, les gens, les animaux, les défis, même le danger. En fait, ça c'est tout qui est réuni. Vivre pleinement comme certains pourraient le dire. Là, il y a tout. Il y a la cuisine, il y a les gens, les animaux, les défis, même le danger. Franchement, je me mentais en pas mettre ça. Parce que moi, tous les autres me vont. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous me connaissez un peu, mais bon, je ne sais pas du tout. Là, c'est plus tourné sur les animaux. Là, les animaux et puis probablement les cultures et tout. Là, c'est plus tourné. Ah non, là, ce serait plus les cultures ou peut-être la cueillette ou des choses comme ça. Trouver des choses dans la nature. Là, c'est faire à manger, la cuisine. Là, c'est les relations sociales et tout. Constructeur, c'est plus tourné sur tout ce qu'on construit. Et puis collectionneur, j'ai l'impression que c'est tout mélangé, un peu tout au même niveau. On met ça, hein, parce qu'on verra bien quoi. Mode de jeu, on se fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a facile. Facile, c'est explorateur. Normal, aventurier. Oui, bah, il y a facile ou normal. Qu'est-ce qu'on se met? Bon, on va mettre facile, on ne connaît pas le jeu encore, on va y aller tranquillou. Hein. Tutoriel, bah oui, on le met quand même hein, le tutoriel, parce qu'on ne connaît pas le jeu. Si on connaissait le jeu, on ne mettrait pas ça. Hein. Bon, on est prêt? Donc du coup, bah, je n'ai pas choisi le petit t-shirt, il est vert. Bon, bah, ma foi, il sera vert. On n'a rien oublié. Hein. Là, on est OK. Là, on est OK. Bon, allez, on y va? Démarrer. Bon. Attendez. J'aimais. Alors, voyez, ça, j'aime pas ça dans les jeux. Il y a un truc écrit, on n'a même pas eu le temps de lire. Vous avez vu? On n'a pas le temps de lire. Il y a une grande phrase écrite et boum, ça passe. Donc, tant pis. Hein. Avoir un chez-soi est très important et vous allez en avoir un. OK? Mais j'attends, hein, parce que... Je sais que vos parents ont été bons avec vous. Ah, c'est dans les jeux, ça. Ne vous inquiétez pas, ils sont impatients de vous revoir un jour. Ah, ah oui, d'accord. Ok, bon, je suis partie de chez mes parents. Il est temps pour eux de se reposer pendant que vous commencez votre voyage. Ça veut dire quoi, ça? Qu'ils sont morts ou bien qu'ils sont juste vieux et qu'ils se reposent? J'en sais rien. Il y a tant à voir, je ne sais pas. On verra bien. Et encore plus à découvrir. Ça marche. Spirit of the Island. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, Spirit of the Island? Est-ce que vous savez? C'est une interrogation. Ah, certains objets ne sont pas interactifs pendant l'hiver. Assurez-vous de les collecter, de les couper ou d'interagir avant le printemps, j'imagine. Non. Avant, avec, de lui couper ou d'interagir avec eux, avant qu'il ne commence. Ah oui, d'accord, pendant l'hiver, avant que l'hiver ne commence. Puis, je ne sais pas où mettre ma tête, je vous jure. Vous savez quoi, je vais peut-être me rétrécir un peu en vrai. Vous voyez, genre comme ça. Voilà, on verra bien. Chargement du terrain. Bon, alors, chargement de la météo. Finalisation des détails. Ah, nous voilà. Oulala, bonsoir Sneakers Gacha. Je crois que je vais dire juste Gacha. Bienvenue sur le chat. Tu as un pseudo qui est difficile à prononcer. Alors, donc, attendez, hein, on va essayer déjà de comprendre un petit peu les... Oh non, le bateau est parti, mais je suis sur la bonne île, c'est déjà ça. Enfin, je crois. Oui. Nouvelle quête. Bienvenue dans la région de Coxworld. Il s'agit d'un guide rapide pour vous aider à démarrer. Oui, on en a besoin parce qu'on ne connaît pas du tout le jeu. Dans ce jeu, la caméra est fixe
Et vous pouvez utiliser déplacement avec L, coucou monsieur Coccinelle, sauter avec Y, interagir avec A et action avec ZR. Ok, d'accord. Bonsoir Nouga, bienvenue sur le chat. Bon, allez. Donc, alors, L. Ok. Donc, L pour se déplacer, sauter avec Y, interagir avec A, action avec ZR. Ok. Bon, entre tous les jeux qu'on fait, entre Animal Crossing, entre tous les jeux qu'on fait, je ne sais même pas si on va, si je ne vais pas me tromper dans les boutons, hein, je vous préviens. Entre Animal Crossing, Palworld avec la manette Xbox, enfin, tout, c'est pas toujours évident. Oh, on va se débrouiller. Vous avez également des besoins fondamentaux comme la faim, la soif et la fatigue. Surveillez-les de près pour ne pas ralentir à cause d'eux. Vous pouvez vérifier vos statistiques avec moins quand vous le souhaitez, mais les plus grands changements sont également affichés sur l'interface. Ok, ça marche. Un dernier conseil avant de vous laisser. Explorez l'île, interagissez avec les objets autant que possible. Les objets avec lesquels vous pouvez interagir sont marqués d'une icône. Utilisez la fonction interagir avec A pour le faire. Ok. Votre première tâche sera de trouver votre maison. Ah, cool. Suivez la route et poursuivez vers le nord-est. Ok. Alors attendez, hein. Je regarde un peu. D'accord. Ah, c'est... Attendez, on est... Ah, on peut se mettre comme ça quand même. Oh, ce que j'allais dire, on va pas être en vision du dessus, ça faisait trop bizarre. Alors, attendez, donc, sauter. Nous avons une épée, donc, voilà, ok. Ok, ça, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'ils avaient dit d'autre? Donc, ça, c'est pour l'épée. D'accord, hors de votre propriété. Vous pouvez en dehors de votre propriété, vous ne pouvez construire que des choses liées à l'exploration et au camping, genre un feu de camp ou une tente de campement. Ok, ça marche. Bon, bah ça, on n'a pas débloqué de toute façon, hein, donc voilà. Alors, oh bah ça va, on nous met des flèches. Attendez, on va quand même regarder un peu ce qu'il y a autour. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Ah, ben voilà, nous avons des noix de coco. Impeccable. On peut faire autre chose avec A, là? Non, d'accord. Je pensais qu'on pouvait couper le palmier. Est-ce que je peux ramasser? Ouais, on se balade, hein. On va pas, voilà, comme des fous jusqu'à la maison. C'est quoi ce truc-là? On peut ou pas? C'est des coquillages. On ne peut pas les prendre. D'accord. Donc ça, c'est mon bateau. On fait un petit peu le tour, hein, pour regarder ce qu'il y a. J'aime bien, moi, pas tout de suite partir forcément là où ils nous disent d'aller. Hein. Oh, regardez, c'est tout mimi. On arrive sur une plage avec des petites chaises longues et tout, et des parasols. C'est tout mimi. Oh, un ballon. Je peux faire quelque chose? Ah, je peux directement. Ça fait penser à Animal Crossing, ça, pour le coup. Ok. Là, je peux rien faire. Non, mais on regarde un petit peu. Hein. D'accord, donc on peut shooter dans les ballons. C'est rigolo. Jeter sud. Ah, d'accord. C'est parce qu'on est, on explore, en fait, c'est pour ça. C'est marrant. Bon, de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je peux faire quelque chose? Ah! Qu'est-ce que c'est? Des champignons vénéneux. Ah! Bon, je sais pas, je me dis que c'est déjà bien de ramasser des trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa. Hein, comme ça, si jamais, je sais pas, si jamais on a faim, ben au moins, on sera pas obligé de revenir ici. On aura déjà des noix de coco. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Hein? Je fais pas du tout le jeu comme il faut déjà. Ça démarre comme ça. Bah attendez, il y a des noix de coco, autant les prendre, hein, vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite maison. D'accord. Voici la jetée où l'on amarre les bateaux et d'où l'on part à la pêche, mais je ne peux pas l'utiliser. Peut-être que je trouverai plus d'informations en ville. Il me faut quelqu'un qui s'y connaît en bateau et en jetée. Ok, ça marche. Je me souviens que mes parents m'avaient parlé de cet endroit très apprécié des touristes.
Ben oui, c'est tout joli en fait. Les touristes débarquent de leur bateau à l'embarcadère. Plus votre popularité est élevée, plus les touristes seront nombreux à venir vous rendre visite, ainsi qu'à la ville, puisque vous serez celui qui attire les touristes. Ça marche. Ils achètent des objets et beaucoup de choses sur votre propriété. Alors veillez à toujours avoir des marchandises à vendre. Parfois, l'objet le plus insignifiant peut devenir la perle rare pour laquelle les touristes sont prêts à payer une belle somme. N'oubliez pas non plus d'embellir votre île. Les décorations charment les touristes et ils peuvent dépenser encore plus. Enfin, certains touristes sont prêts à s'installer. Si vous leur proposez un emploi, ils pourront peut-être venir sur l'île et travailler pour vous. N'oubliez pas que vous devez les payer, les nourrir et leur donner à boire et aussi leur fournir un endroit pour dormir. Non mais n'importe quoi, on n'est même pas installé encore. Allez, on va faire ce qu'il faut. Oh là là, c'est poussif la course, hein. On ne peut pas courir? Je peux rien faire pour courir plus vite? En tout cas, non? C'est pas possible? Je sais pas trop. J'ai pas l'impression. Bon, bah, on va y aller comme ça, hein. Je pense pas que je puisse aller plus vite. Je peux regarder le petit panneau, là. Suivez la route du nord pour arriver chez Coccinelle. Si vous allez vers le sud, vous atteindrez la jetée. Oui, on le sait parce que, voilà, hein, en bonne Coccinelle, moi qui fais toujours les choses avant de les faire, nous savions qu'il y avait la jetée puisque nous y sommes déjà allés, bien entendu. Allez, tu peux interagir avec certains objets. Non mais ça c'est tout moi, hein, je vous jure. Hein. Tu peux interagir avec certains objets de ton environnement comme secouer un arbre, cueillir des fleurs et des champignons. Coucou Loéva, comment vas-tu? C'est tout moi ça. Hein. Vous voyez, on a déjà fait des trucs et maintenant ils nous disent de le faire. C'est moi, c'est moi. Je fais que tout le temps comme ça. Et je peux pas m'en empêcher, hein. C'est terrible. Hein. Est-ce que je peux cueillir des fleurs du coup? Allez, ben on cueille des fleurs, hein. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais on les cueille. Allez, c'est parti. Voilà. Comment ça va les gens qui arrivent? Il n'y avait pas un truc par terre tout de suite, là? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu un truc? Non? Il n'y avait pas une espèce de bestiole ou quelque chose? Non? Je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y avait une bête tout à l'heure. Non, c'est peut-être dans ma tête, hein. Bon. Ça va bien? Vous avez été... Mais quelle idiote! Vous avez été piqué par des abeilles et cela cause aussi des dégâts de poison. Vous pouvez attendre que cela disparaisse ou boire un antidote que vous pourrez trouver chez Méli Mélo. Non, tout en explorant. Ou plus tard, en le fabriquant. Bon, les ruches d'abeilles peuvent être détruites, vous pouvez donc collecter des matériaux pour créer votre propre ruche d'abeilles plus tard. Utilisez une hache pour couper l'arbre avec la ruche d'abeilles. Ouais, bon, bah on a été piqué du coup. Ah là là, je me sens pas bien. Bah ouais, en même temps, qu'est-ce que je suis allée me traîner vers la ruche aussi. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Je ne suis pas du tout bien là. Je vais me mettre là, va. Parce que là, évidemment, toutes les tâches sont au-dessus. Ça va pas le faire si je reste au-dessus. Tâche actuelle en cours. Connaître les bases. Trouver une pioche près de chez vous. Base de l'agriculture. Récupérer de la terre. Ok, ça marche. Bon. Alors, année 1, printemps, 18h07. Ok, et nous avons 50 en poche. C'est bien, il y a une petite carte sur le haut. Bon, ça, c'est très bien. Vous y trouverez l'année en cours. Mince, je suis allée trop vite. Hein. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Ah là là, mais je me sens pas bien du tout. Non, mais on viendra explorer à nouveau après. Voyez là comment je suis pas bien. Regardez. Non, mais je vais mourir en vrai. J'ai mes cœurs qui baissent et tout parce que je suis empoisonnée par les abeilles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux lieux à découvrir. En fait, ils voulaient que je me fasse piquer, c'est pour ça. Hein. Chaque fois que vous trouvez un endroit, vous gagnez des points d'expérience en exploration. Il y a beaucoup d'autres compétences que vous pouvez débloquer et améliorer. D'accord, ça marche. Mais je ne suis pas bien à cause de mon poison d'abeilles. Vous voyez?
J'aimerais bien trouver un remède. À l'intérieur de votre propriété, vous verrez une icône indiquant que vous pouvez construire. Appuyez sur ZL pour ouvrir votre menu de construction. ZL, ok. D'accord. Appuyez sur n'importe. D'accord, établi, machin, tout ça. Bon, on fera ça tout à l'heure, hein? Parce qu'on n'est pas chez nous encore, de toute façon, là. Allez. Fermé. Ok. Vous voyez pas que je suis pas bien là? Moi, il faut que j'aille me soigner. J'ai petites bulles autour de moi. Oh, ça y est, on arrive à la maison. Oh mince, il y a des ronces. Au cours de vos aventures, vous rencontrerez parfois un environnement difficile. Oui, ben, on s'est fait piquer direct par les abeilles. On a vu ça, hein, comme ces plantes à épines. Elles peuvent vous faire mal. Utilisez une machette ou une hache pour les couper. Cela vous donnera quelques ressources comme la graisse utilisée pour créer de l'huile et d'autres objets. Oui, mais moi j'ai une épée. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux couper? Non? Je peux ou pas? À un moment donné, vous aurez besoin de meilleurs objets et outils. Vous pouvez construire de no nombreux types de postes de travail et d'établis. Il suffit d'interagir avec eux en appuyant sur A. Ça marche. Je suis morte. Parce que je suis fait piquer par les épines. Oh là là, mais c'est dangereux ce jeu. Heureusement qu'on s'est mis en facile. Récupération. Oh, c'est long en plus. Ah la vache. Non, mais c'est bon, allez! C'est quoi cette histoire? Je suis où? Ah bon, ça va. Ah bah c'est bon, du coup, je suis rentrée. Non, mais va falloir enlever les. Je vous assure que dans ce jeu, ça va être hyper pénible. Je ne vais pas savoir où me mettre, hein. C'est pas simple, hein. Je sais pas, on verra. Là, partout où je me mets pour le moment, ça gêne. Ça doit être ici. Quel désordre! La maison semble être en bon état. Je me demande pourquoi mes parents ont voulu que je vienne ici. Hein, moi aussi. Si je me souviens bien, il faut trouver la maison. Ça, c'est fait. Et m'y installer. Et puis chercher l'ancienne. L'ancienne, ok. Qui dirige la ville d'à côté. Donc le maire, un peu, j'imagine. Je pourrais peut-être m'en servir pour remettre de l'ordre. De plus, il va falloir que je trouve à manger et à boire. Ensuite, je me reposerai. Eh bien, allons chercher cette lettre et faisons un tour. Il faut aussi que je découvre la ville. Oui, non, mais pas tout en même temps. Voici votre maison. Elle est un peu sale et délabrée pour l'instant, mais avec le temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps là. C'est pas évident, hein? Vous pourrez l'améliorer et l'équiper de nouveaux meubles et machines. Ici, vous pouvez construire votre ferme, vos boutiques et bien d'autres choses. Faites-en un bel endroit à visiter pour les touristes. Ok, mais pas tout en même temps. De plus, lorsque vous ressentirez de la fatigue, il faudra que vous dormiez. Vous avez déjà un lit, souvenez-vous, que vous devez dormir pour vous reposer. Chaque fois que vous dormez, le jeu sera sauvegardé. Ok, ça marche. Si vous dormez bien, vous bénéficiez d'un effet positif qui vous permet de refaire le plein d'énergie beaucoup plus rapidement pendant quelques heures. Il s'en va de même si vous mangez un bon repas, votre santé se reconstitue pendant un certain temps. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, attrapez la hache, la pelle, un bidon d'eau et la pioche. Ce sont des outils très importants pour commencer à construire vos bâtiments. C'est tutoriel, hein, pardon, mais voilà. Plus tard, vous pourrez améliorer ces outils. D'accord. Ah, tu vas manger. Bisous, coccinelle. À plus tard, tu reviendras peut-être. Bonne soirée. Alors, ah. Marteau en fer. Oh punaise, on va avoir des trucs à chaque fois. Les marteaux peuvent être utilisés pour réparer les outils. Les marteaux peuvent aussi être fabriqués artisanalement ou vous pouvez les acheter chez un marchand. Ça marche. Oui, bon appétit. Allez, pareil pour l'arrosoir. On va se prendre une explication. Si vous n'avez pas assez d'eau pour votre arrosoir, vous pouvez aller en chercher dans les rivières ou les lacs. Pas dans la mer, ok? L'arrosoir permet d'arroser vos cultures. Plus tard, vous pourrez débloquer des objets permettant de gagner du temps. Cool. Il suffit d'aller près d'un lac, d'équiper l'arrosoir et d'utiliser la touche d'interaction. Ça marche. Attendez, on a plein de trucs à prendre, hein. Donc ici, la pioche en fer. Allez, c'est parti. La pioche est le seul outil qui permet d'extraire des minéraux ou de détruire certains rochers. D'autres nécessitent de la dynamite, mais nous verrons cela plus tard. Vous pouvez fabriquer une pioche à l'aide d'un établi. Ensuite, la pelle.
Ah, si, j'allais dire, tiens, on n'a rien. Toi, tu t'es fait des toasts valétales. Eh bien, écoute, c'est très bien. Moi, tu sais, j'ai préparé à manger avant le live. Comme ça, quand j'aurai fini le live, on n'aura plus qu'à manger. J'ai fait des cuisses de canard avec des petites pommes de terre grenaille et des brocolis. Voilà. Donc, tout est prêt. On n'a plus qu'à manger après. Alors, la pelle permet de creuser le sol pour y trouver des ressources, comme la terre elle-même, pour créer des cultures. Elle peut aussi servir à détruire des routes ou des trottoirs dont vous n'avez plus l'utilité. La pelle se fabrique avec un établi. Ça roule. Et la hache. La hache en fer. La hache est très importante. Elle permet d'abattre des arbres et même de découper les objets dont vous ne voulez plus. Pour fabriquer une hache, il vous faut un établi et des bons matériaux. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on change d'outil. Voyez? Comme ça, je pense. Parce que du coup, j'aimerais bien essayer. Elle est où la hache? Ça, c'est mon épée. Je viens bien de prendre une hache, non? Ah, d'accord. Attendez. Là, j'ai le marteau. Là, c'est la pelle. Ça, c'est le marteau. Ça, c'est l'arrosoir. Ça, c'est la pioche, la pelle et R pour aller plus loin. Attendez, je ne comprends pas où elle est. On a bien récupéré une hache, non? Elle est où? C'est bizarre, non? Ça, c'est nos noix de coco. Non? Vous ne trouvez pas bizarre? Je sais pas où est la hache en fait. On la voit pas, hein? En bas. C'est trop bizarre. Parce que moi, je voulais essayer d'aller couper les ronces. À pas le faire. Je peux pas les couper avec la pelle. On a bien récupéré la hache. Elle était dans le bois ici. Elle est où cette coquine? C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, attendez, j'essaye de voir un petit peu. Ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'interaction. Établi, fleurs, plantes. Ok, donc ça, c'est ce qu'on peut fabriquer. Petit coffre. Ok, ça marche. Si vous avez une idée de où est la hache, pour le coup, je veux bien parce que là, je la vois pas. Bon, c'est pas très grave, on n'en a pas besoin tout de suite là, mais ça me paraît bizarre que je trouve pas où est la hache là. Attendez, on va aller voir dans la maison. Découverte d'un nouveau lieu. Alors, ceci est votre maison. Plus tard. Avec le couteau pour couper les ronces. Mais écoute, j'ai un petit peu essayé hein, en arrivant. Parce que j'avais cette espèce d'épée là. J'ai essayé avec, mais ça marchait pas. Donc on verra bien. Là, en tout cas, je la vois pas. Je vois juste oui, l'espèce de couteau là, ou je sais pas quoi. L'épée, couteau. La hache, je ne sais pas du tout où elle est en fait. Peut-être que il faut que je la mette dans l'inventaire du bas. Peut-être qu'elle est dans un inventaire principal et qu'il faut la mettre, j'en sais rien, on va regarder. Hein. Ceci est votre maison. Plus tard, vous pourrez l'agrandir et construire une maison plus grande. Oui, ben oui, l'agrandir et construire une maison plus grande, en même temps, c'est un pléonasme, se dire qu'on se répète. Non, je rigole. Vous pourrez construire de nombreux objets à l'intérieur de votre maison. Ouvrez le menu de construction en appuyant sur le bouton. Sur la bouton, sur le bouton, c'est marqué la bouton, ZL. Certains objets ne peuvent pas être construits à l'intérieur de votre maison, comme le poêle. C'est pas très logique, mais bon, pourquoi pas. Alors, voilà la maison. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce, ah! Chaque fois que tu vas dormir, le jeu sauvegarde. Oui, on avait compris. Utilise ton lit pour t'endormir. Tu peux aussi sauvegarder le jeu à tout moment en appuyant sur pause, à condition que tu ne sois pas dans une grotte ou un donjon. Ok, d'accord. On ne peut pas sauvegarder partout. Ça, c'est un peu embêtant, par contre.
Est-ce que je peux interagir avec des trucs ou pas là? Non, je peux rien faire à part aller au lit. Vous croyez qu'il fait nuit dehors? On va regarder. Moi, je veux bien essayer de... Ah, c'est quoi? Ah. Vous pourrez fabriquer tous ces objets en utilisant cet établi. Certains d'entre eux ne sont pas disponibles car il vous faut soit les matériaux manquants requis, soit un certain niveau de compétence ou les deux. Ça marche. Ce sont les matériaux requis pour créer cet objet. Certains objets peuvent nécessiter des pièces et un certain niveau de compétence également qui seront affichés ici. Ok, ça marche. Ça, c'est l'établi. Non, mais je vous assure que je peux pas couper la ronce. Non, là, avec ce que j'ai là, je peux couper des herbes. Vous voyez? Comme ça. Là, je peux pas sortir. Non, il me faut absolument la hache pour enlever les... Parce que je vais pas pouvoir sortir de la maison. Hein. Ah, c'est quoi ça? Stockage. Ah, attendez. Nous voilà avec la hache qu'on veut mettre où? Moi, je veux prendre la hache. Je peux pas la prendre. Parce que je voulais aller la mettre en bas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, elle est dans mon stockage, en fait. Comment je peux faire pour la prendre? Y? Attendez, je regarde si je l'ai... Non, je ne l'ai pas mis en bas. En fait, il faudrait que j'arrive à la sélectionner et la mettre dans mon inventaire. Je pensais que c'était peut-être Y. Elle ne se met pas en bas, hein? Si je fais ça. Non. Je n'arrive pas à comprendre comment mettre la hache dans l'inventaire du bas, en fait. La hache, elle est là? Oui, elle est là, la hache. C'est ce que j'ai dit. Mais comment faire? Ah, attendez, j'ai déplacé là. Donc, changer le nom. Ben non, on ne veut pas changer le nom de l'âge, on s'en fiche. J'en sais rien en fait. Stock des choses. Les pommes, les noix de coco, ouais, c'est pas bête, tiens. Truc dont on n'a pas forcément besoin. On va faire ça. Attendez. Donc, oui, mais je peux pas, si. Ah, si, je peux aller en dessous. Si, par exemple, les noix de coco, on les déplace, on fait quoi? Pour récupérer l'âge. Oui, je pense aussi. Attendez, je suis en train d'essayer de trouver comment... Oui, ok, d'accord. Donc, en fait, ça, on va le déplacer. On va le mettre. Non, je ne vais pas changer le nom. Pas du tout. Les noix de coco, on va. C'est pas évident, hein? Je sais pas trop comment faire pour. Attendez, j'essaye de trouver. Parce que là, il est sélectionné. D'accord, donc je les sélectionne toutes. On en a combien? Ah, on en a beaucoup, quoi. 18. Ok. Et comment on fait pour les passer? Comment j'avais fait pour passer la hache de l'autre côté? C'est pas simple, ça. Vous avez une idée ou pas? La mettre là, je pourrais la mettre de l'autre côté en fait. J'en sais trop rien. Hein. Hache en fer. Non. Je ne sais pas comment il faut faire, les gens. Là, j'aimerais bien si déplacer. C'est ça en fait. Déplacer. Bon, je veux bien déplacer. Non, c'est pas ça.
c'est pas ça. Je ne sais pas comment faire pour déplacer le truc. Si vous avez une idée, hein. Si on est déjà coincé là, on n'a pas fini, hein. C'est celle-là, moi, que je veux déplacer. Je peux pas la mettre. Parce que là, elle est dans le stockage, en fait, c'est pour ça. Je sais pas du tout, hein. Je voudrais, à la limite, manger les champignons. Comme ça, on aura de la place. C'est pas simple, parce que vous voyez, je fais « Ah, ça marche pas ». X, non. Non, c'est pas évident. Je presse sur tous les boutons. Et il n'y a rien qui se fait. Même en appuyant sur les Joy-Con déplacés. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé. Non? Maintenant, j'ai cru. J'allais dire c'est la croix directionnelle. Non? Même pas, hein? Je croyais avoir trouvé. Non, c'est pas ça. Non, mais faut qu'on trouve, hein. Alors, sélectionne la hache avec Z, Z, oui, ok. Attends. Oh, j'ai arrosé. C'est pas grave. Attendez. Non, mais là, je sais, on la sélectionne, mais après, on en fait quoi à partir de là? C'est ça le problème. Ça marche pas. Si je fais ça. Non, ça déplace. Si vous avez une idée, hein, moi je veux bien. Hein. Parce que là, si je fais ça, je déplace le truc. Tout à l'heure, j'ai quand même bien réussi à déplacer l'âche, non? Qu'est-ce que j'avais fait? C'est pas ça. J'en sais rien du tout. Comment on fait? Si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas surtout. Je pense que ce qu'on va faire, on va aller dormir pour voir clair, déjà. Et... Ouais, ok, ça marche. Hey, bonjour Chris, bienvenue sur le chat. Tu peux nous aider, franchement, on veut bien. Connaître les bases. Récolter les ressources suivantes. Donc, il faut... Alors, ça donne quoi ce jeu? Bah, pour l'instant, on est un peu bloqué. On est un peu bloqué naturel parce que on a du mal à comprendre comment. Déjà, je vais me mettre comme ça. Elle va de l'autre côté, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui va de l'autre côté? Oui, il faut qu'on la mette de l'autre côté. On est d'accord. Mais comment? Je ne sais pas comment faire parce que je presse sur tous les boutons. Et ça me le fait pas. Et si je fais ça, ça change. Donc ça, c'est pas bon. Il doit y avoir un moyen. Soit j'appuie sur quelque chose. Je ne comprends pas comment faire passer le truc de l'autre côté. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. J'en sais rien, X. Non, ça c'est pour changer le nom. On ne veut pas changer le nom. Y. C'est ça en fait, Y. J'aimerais bien savoir ce qu'on fait avec cet Y là. ZR. Ouais, mais en faisant ZR, tu vois, regarde, en faisant ZR, moi ça me fait changer. Ça me fait changer les choses de place. Tu vois? Regarde, là, je fais ZR. Ça me revient, ça me remet au couteau du début quand je fais ZR. Ben, ZR sur la hache. On revient au couteau quand je fais ZR sur la hache. C'est bizarre, non?
Ça vous paraît pas bizarre, quand même? Ça paraît trop bizarre, moi, cette histoire-là. Je vois pas trop ce que je peux faire. Je peux pas. Moi, ce que je voudrais, vous voyez, c'est la prendre. Comme ça? Ça y est, j'ai réussi à la mettre là. Bon, hey, coucou Léa, comment ça va? Ensuite, du coup. Comment ça va, ma petite Léa? Qu'est-ce que vous croyez? À droite, je mets les choses que je veux ou quoi? Ou je mets les choses que je stocke? Je pense qu'il faut que je mette les choses dont j'ai besoin, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je verrais bien un truc comme ça, moi. On met les choses dont on a besoin? C'est bizarre. Appuyez sur Y et avec ZR pour peut-être. Où est-ce que je pensais? Mais je regarde en bas et je vois toujours pas la hache qui est mise en fait. C'est ça qui est bizarre. Bref, hein. Je sais pas trop. Hein. J'aimerais avoir la hache. Et là, pour le moment, on a l'arrosoir, quoi. Donc, ah! Ça y est, elle est apparue en bas, la hache. Bon, c'est bon. Je crois que en fait, faut mettre à droite les choses qu'on veut. Wouh! C'est chaud! Là, je prends la hache, du coup. Est-ce que j'ai la hache sur moi, là? Oui, on a la hache. Ah! C'est pas très intuitif, hein, pour le coup. Hein. Bon, allez. Ça, le problème, c'est ça, c'est que quand on fait plein de jeux différents comme ça, et ben, pour savoir, pour connaître tous les contrôles, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est bon. Allez. Il faut peut-être que je vérifie que je ne sois pas trop fatiguée, moi. Parce que là, je coupe mes... Je préfère les couper, ces trucs-là, parce que je me suis piquée, ça m'a fait mourir tout à l'heure. Bon. Non, mais n'empêche qu'il faut quand même que, en bas, j'enlève... j'ai trois trucs à manger, c'est trop, là. Hein, on est d'accord? C'est ça qu'il faut que j'enlève. Voilà. Allez, ça y est, on est parti. Bon, là, ça marche. J'ai enlevé celle-là aussi. Je ne sais pas si ça me rapporte quelque chose. Si? De la graisse et de la résine. Oui, c'est ça. Très bien. Il y en a encore une là-bas. On va aller la faire aussi. Tiens, comme ça, nous embêterons plus. Hein. Allez. Ok. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc du coup, alors attendez, hein, on va essayer de comprendre cette fois. Donc A. Donc du coup, on fait, on se met sur un truc. Par exemple, le marteau. Le marteau, donc je fais Y. Par exemple, si j'ai besoin du marteau, et je le mets là. Mais je peux mettre qu'un truc sur la droite ? Bizarre, non? Ça me paraît bizarre. Le marteau, du coup, il est plus en bas. Si je le mets là. En fait, ce qu'on ne sait pas trop, c'est s'il faut qu'on mette les choses à droite ou s'il faut qu'elles restent à gauche. Ça, c'est le stockage, normalement. Donc ça, ce sont les choses qu'on utilise. Là, j'ai toujours ma hache. Ok. C'est bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Récolter les ressources suivantes. 15 pierres et de la terre. Bon, à mon avis, il faut que je prenne la pelle. Pour tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour creuser le sol. Est-ce qu'on peut creuser le sol ici? Oui, ça marche. Alors. Ok.
On va creuser. C'est bon. Nous avons notre terre. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, il nous faut... Donc, on va prendre la pioche et on va aller taper des pierres. Donc, il faut qu'on fasse 15 pierres. C'est parti. Voilà. Ok. Ton sac est plein et tu ne peux plus collecter d'autres objets. Tu peux trouver des sacs plus grands en explorant ou tu peux construire des coffres chez toi pour y stocker des objets. Alors attendez, parce que moi, il me semble qu'il y a un coffre par là, non? Il me faut une clé pour l'ouvrir. Ouais, super. Du coup, on n'a pas assez de pierres. Zut de zut. Donc, je ne peux pas ramasser les pierres qui sont là. C'est bête, ça. Et là, c'est quoi? Alors, du coup, c'est un autre stockage, ça? Je comprends pas trop bien. Notre stockage, il est pas plein, pourtant. Non? Ça vous paraît pas bizarre? J'ai du mal à comprendre le système de stockage, quand même. Hein. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas l'impression que c'est fermé. Moi, je veux bien les passer là. Hein. On verra bien. Bon, alors, du coup, on les passe. On va faire ça, hein. Ouais, faut vider le sac, on va vider le sac. Hein. Allez, c'est parti. Du coup, ceux-là, ah, c'est pas très... Ouais, allez, on va jusqu'au bout et on les passe de l'autre côté. Ok, ça fait déjà deux places. On va peut-être garder les pommes, hein, quand même, histoire qu'on ait un truc à manger. Ok. 3. D'accord. Ensuite, on va stocker quoi? Les fleurs, peut-être. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, évidemment. De la résine. On se met ça aussi de côté. Allez, hop. Bon, il suffit de comprendre, après ça va aller. Hein. On en a beaucoup en plus. J'ai l'impression que les journées passent vite, non? Ça vous le fait? Ok. C'est quoi ça? Bouteille d'eau, on va garder. Graines de chou-fleur, graines de blé. On va les garder sur nous pour le moment. Ça, je pense qu'on peut le... Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour aller plus vite là? Ça me le ferait bien, moi, non? J'aimerais bien aller, voyez, au max, tout de suite. Ah bah si, je l'ai fait, en plus. Donc ça, c'est OK. Ça, pour le moment, ben, on ne pêche pas, donc on y va. Si je fais ça, est-ce qu'ils y vont tous, tout de suite? Mes petits verres, c'est bon. Bon, bah allez, on a déjà fait de la place, on est pas mal là. Donc du coup, on peut continuer à faire nos pierres. Allez, ma cocotte. Vous avez un peu faim, vous pouvez manger de la nourriture comme une pomme pour vous restaurer. Ouvrez votre inventaire avec moi et utilisez les objets de nourriture ou équipez-les d'abord. Ça marche. Vous avez un peu soif, ok? Ça marche. Alors, attendez. Inventaire, du coup. Pour ouvrir l'inventaire quand on n'est pas chez nous, on fait comment? Et coucou, Vivinou, comment ça va? Ça va bien? Attendez, il faut que je trouve comment on ouvre l'inventaire. Non. Comment on ouvre l'inventaire quand on n'est pas chez nous, du coup? Je sais pas trop. En fait, c'est pas grave. On va y aller comme ça.
On va aller manger la pomme. Comment on fait pour la manger? Il disait moins ça. C'est ça ou pas? Pomme, du coup. Si vous voulez placer un objet dans l'emplacement rapide ci-dessous, veuillez choisir l'objet. Lorsque vous quittez l'inventaire, vous pouvez utiliser la touche d'air. Bah tiens. Vous pouvez utiliser aussi certains objets directement depuis l'inventaire, comme la nourriture. Vous pouvez aussi déposer ou supprimer des objets. Attention, après avoir supprimé un objet, il sera impossible de l'obtenir à nouveau. D'accord. Vous ne pourrez pas déposer d'objets spéciaux comme les objets de quête. Bon, la pomme, on la mange comment? Vous savez? Ouais, c'est un jeu Switch. Ouais, enfin, je crois qu'il est aussi sur d'autres consoles, mais en tout cas, là, moi, c'est sur la Switch que je l'ai. Comment on fait pour manger, déjà? Vous souvenez ou pas? Je ne me souviens plus. Si je fais A. Utiliser. Ben oui, je veux utiliser. A. Une. Vous croyez que j'ai mangé, là? J'ai fait A. Ça a fait un bruit bizarre. Coucou Inès, comment ça va? Allez, venez m'aider, parce que franchement... J'ai mangé, vous croyez? J'ai l'impression, non? Coucou ma petite Inès, comment ça va? Ouais, j'ai l'impression d'avoir... J'ai l'impression d'avoir mangé, hein? C'est le petit bruit qu'on entend, là? Allez, on essaye de boire, pour le coup. Alors, du coup, pour boire, on a dit que c'était A... Non, ça le fait pas, hein. Oh, c'est un peu compliqué. Ça va. T'es fatiguée, Inès. Oh, mince. Attendez, j'essaie de comprendre comment on fait pour boire. Parce que là, du coup, je fais A et ça marche pas. Et pourtant, je suis sur la bouteille, hein. Donc, ça m'énerve. Ok. J'ai compris. C'est bon. Donc là, je n'ai pas soif. Ok, ça roule. Et donc, attendez, on va faire la même chose pour la pomme. Je n'ai pas faim. Ok, bon, la pomme, on avait mangé. Ouais, j'ai mangé 3 pommes, j'ai vu. Bon, ça roule. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Récolter les ressources. On est toujours dans les pierres, pour le coup. Ce jeu, il est bien. Mais écoute, on trouve les commandes un petit peu... Enfin, moi, je trouve les commandes un petit peu compliquées. C'est pas très intuitif. Et puis, bon, bah ça ressemble pas trop à ce qu'on a déjà fait dans d'autres jeux. Donc, c'est pas toujours évident. Mais on va se débrouiller, hein. Ça va le faire, hein. Attendez. C'est bien une pierre, là, non? Ouais. Mine. Ah non, si, j'ai eu des pierres et du minerai de cuivre. Coucou, Chachalou! Ah oh, ben c'est bien que vous arriviez, les filles, vous allez m'aider, parce que là, on a eu un petit peu de mal avec les... On a eu un petit peu de mal avec les contrôles. Parce qu'il y a, en fait, il faut utiliser plein de contrôles, et moi, je suis jamais trop bonne là-dedans, en vrai. Bon, on continue. Alors, 15 pierres, on les a pas encore, hein. On essaie de trouver des pierres. Allez, c'est parti. Bon, ça va, je me déplace. J'ai l'impression de me déplacer un petit peu plus vite que tout à l'heure. Allez, là, on a une jolie petite cascade. C'est tout mimi. Il y a des poissons. Il y a des poissons dans l'eau. Donc ça, c'est bon signe. Allez. Est-ce que vous croyez que je peux taper sur le gros rocher qui est là? On essaye? Ouais. De toute façon, ça va me dire quand on aura assez de pierres. C'est bon, quête mise à jour. Donc ça, c'est bien. Connaître les bases, fabriquer le reste des objets requis dans l'établi. Ok, ben on va aller voir dans l'établi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Base de l'agriculture, créer votre première culture, découvrez votre histoire, aller à Coxville et parler à l'ancienne. Un océan d'options, trouver quelqu'un pour réparer la jetée. Ok.
Alors attendez, on va déjà aller voir. Ok, voilà. Donc, et apparemment, on peut construire quelque chose au niveau de l'établi avec les ressources qu'on a trouvées. Établi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un petit appât à poisson. Ok. D'accord. Donc, A. Ce n'est pas encore terminé. D'accord, ça. Ah, ça se fait tout seul? C'est bon, a priori. J'ai fait des appâts pour pêcher. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On regarde. Je peux rien faire d'autre, hein, regardez. Ah si. Je peux faire quoi? Ouais, on court mieux. Ouais. Je peux faire un cadeau avec des fleurs et une boule de compagnie. Boule de compagnie? C'est quoi ça? C'est un truc qu'il ne faut pas que je fasse maintenant, à tous les coups. Hein. Comme d'hab. Hein. Oh, du coup, on a fait une boule de compagnie. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On verra bien. Nous avons une boule de compagnie. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Donc. Ah oui, c'est parce qu'en fait, on n'a pas encore tout ce qu'il faut. Vous voyez? Il faut 5 chatterton et 5 plats en bois pour pouvoir faire le truc qu'on a à faire sur l'établi. Donc voilà. On va aller parler à l'ancienne. C'est parti. Je suis rigolote avec ma petite pioche là. Ok. Donc j'imagine qu'il faut aller par là. Ah non! Je suis dans la grotte. Bon, c'est pas grave, attendez, faut que je ressorte. Non, on ne nous a pas demandé d'aller dans la grotte, on nous a demandé d'aller au village. Qu'est-ce que je fais dans la grotte? Non, mais franchement, attendez, je me balade un peu pour regarder ce qu'il y a par là. De toute façon, là, on remonte là, c'est chouette, ok. Où est le village? Est-ce que c'est par ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, champignons. Il y a plein de fleurs. Il y a un insecte à proximité. Tu peux trouver des insectes en explorant. Chaque île a des insectes différents, mais peut n'en avoir aucun. Et tu peux essayer d'en attraper 12 en utilisant un filet à insectes à fabriquer sur l'établi. N'importe quoi, Coccinelle, elle dit Inès. Oui, c'est exact. Je fais n'importe quoi. Mais ça, vous savez bien. Mais c'est ça qui est rigolo. Donc là, on n'a pas de filet, en toute façon, pour le moment. En général, utiliser des outils pour combattre. Oh là là, pas combattre! On n'est pas prêt! N'est pas la meilleure des solutions. N'oublie pas que tu peux utiliser l'établi de combat pour fabriquer diverses armes et armures. On a, à mon avis, rien à faire là. Vous voyez ce que je veux dire? On a dû louper le village, mais d'une force. Moi, je suis carrément à un endroit où j'ai pas du tout. Il faut pas du tout que je sois. Hein. Donc là, on a dit que c'était la grotte. Peut-être que le village, il n'est pas là en vrai. Bon, il est où ce village? Il est ici? C'est où le village? Vous ressentez de la fatigue. Vous pouvez vous reposer en utilisant un lit chez vous ou plus tard en construisant un camp. Pendant votre sommeil, vous récupérez votre énergie en fonction du nombre d'heures que vous aurez choisi pour dormir. Ouais, ok. C'est vrai, je suis fatiguée là. Le problème, c'est que on n'a pas trouvé le village, hein. Faut que j'aille dormir, a priori. Je suis peut-être partie à un endroit. Je suis peut-être partie là où il fallait pas pour aller au village, j'en sais rien. Sur la carte, on ne nous montre pas le village. Allez, on dort. Ouais, aller à Coxville et parler à l'ancienne. Mais comment on fait pour aller à Coxville? Tu as bien dormi et tu as regagné de l'énergie. Ton endurance est augmentée et tu peux faire plus d'actions avant d'obtenir
de ressentir de l'épuisement. Oh mon Dieu. Des fois, la traduction, elle est comme ci, comme ça. Ah, en plus, on est la nuit. Bon, c'est pas très grave. Je sais pas du tout où est le village, en vrai. Parce que là, là-haut, on voit une espèce de petite carte, mais ça nous dit pas où est le village, hein. Ah, attendez, il y a un truc dans la boîte aux lettres. Bonjour, je sais que tu viens d'arriver, alors je voulais t'écrire quelques trucs sur notre ville ici. J'espère que tu te sens comme chez toi dans ta nouvelle maison. Chaque mois, nous organisons quelques festivités. Je te rappelle également que les gens adorent qu'on leur souhaite leur anniversaire. Alors n'oublie pas la date de leur anniversaire si tu veux te faire des amis. Si tu veux participer à des événements, il suffit de te rendre au centre-ville et d'interagir avec le grand panneau au centre. J'espère te voir là-bas. Nouveau message, événement de la ville. Ok. Bon, faut qu'on trouve la ville. Oh là là, je sais pas où c'est, hein. Parce que là, partout où on allait, c'était pas vraiment la ville. Je sais pas pourquoi j'aurais bien vu la ville par ici, moi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par là-haut, peut-être? Oh là là, mais on aurait vite fait de se paumer là-dedans, hein? Trouvez pas? C'est pas si évident que ça, hein? C'est quoi ça? Ah, propriété privée de coccinelle. Ah ouais, carrément, c'est tout mon terrain, ça? Incroyable, mais vrai, dis donc. Alors, où est cette fichue ville là? Oh là, il y a une espèce de crabe pas très gentil là. Je suis sûre qu'il m'attaquerait bien celui-là. Donc ce n'est pas ici. À votre avis, elle est où la ville? Pourquoi j'ai un truc qui clignote en bas? Oh mince! Bon, attendez, on va sortir, on va prendre notre hache. Et puis, on va couper là. Peut-être qu'il faut déblayer pour aller en ville, j'en sais rien moi. Demain matin, on y sera encore, bah ça c'est clair, hein. Ah bah mon sac, il est plein en plus. C'est nul. Vous croyez qu'il faut que je déblaye pour aller en ville? J'en sais rien moi. C'est pas grave, on viendra rechercher après. Je veux juste déblayer pour voir s'il faut que je passe là. Ça serait cool si la carte, elle était un peu plus grosse quand même, hein. Parce que là, je vois pas trop où il faut que je passe en vrai. Mais en vrai, je vais être hyper fatiguée. Si je fais ça. Ouais, c'est mon endurance. Je viendrai les rechercher après, les trucs. J'espère que ça reste là. Vous croyez que c'est par là la ville? De toute façon, je peux passer là même. Voilà. Viens voir. Je sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond quand même, hein. Je veux pas dire, mais j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Propriété de Coccinelle. On est d'accord. La ville, elle doit être plus loin, hein. Donc, là-haut, on monte à la grotte. Donc, c'est pas là. C'est forcément par là, hein. Ça peut pas être. Ah, attendez, on peut passer là. Eh, mais la ville, elle peut pas être planquée comme ça, c'est pas possible. Non, c'est chez moi, ça. Eh ben, si on n'est pas capable de trouver la ville, là c'est la plage. C'est une espèce de plage. Ça se trouve, elle est carrément de l'autre côté, hein. Moi, je veux aller à droite et ça se trouve, elle est à gauche, la ville, hein. Ça, c'est là où on était tout à l'heure. Eh, pas te faire mal sur les trucs, là. Là.
Eh, mais elle est hyper loin, la ville. Ça peut pas être par ici, si. Là, je sens que je vais me... Je sens que je vais me perdre, hein. Maison de la plage, découverte d'un nouveau lieu. Trop bien. Quelqu'un est parti en vitesse, on dirait. Cela me sera peut-être utile un jour si j'arrange tout ce désordre. Juste une maison. Ah, il y a une nouvelle quête. Ah, je me suis pris les abeilles. J'avais pas vu. C'est pas grave. Ah zut. Attends. Oui, carte. Il doit bien y avoir une autre, une carte quelque part, hein. Attends. Ah, je peux descendre là. Fais carte, appuie sur moins. Ok, ça marche. Oh, je suis pas bien, en vrai. Je suis pas bien du tout. Je suis malade. Alors, elle est où la carte? Moi, je veux bien. C'est où? Attendez. Je cherche la carte. Ça, on n'a pas besoin de ça. Moins, ça ne m'affiche pas la carte. Hein. Ça aurait été bien que en appuyant sur moins, ça me mette. Ah, si, c'est là. Hey, mais il faut qu'on aille, regarder là au milieu. Waouh, quand même, en appuyant sur R, ça aurait pu nous mettre directement la carte, quoi. Je suis en bas, là où il y a l'étoile, c'est ça? Donc, elle est où, la, elle est où, il est où le village? Il est par là-bas, c'est ça? Bon, bah allez. À mon avis, c'est par là, donc. Je suis pas bien, je me suis fait piquer. Je vais rentrer dormir. On va y aller de jour, parce que autrement, ça va être compliqué. Faut déjà que je retrouve le chemin de ma maison. Je suis en train de mourir à moitié à cause des abeilles. Hein. Je peux pas faire grand chose. Hein. Faut que je retrouve ma maison. Hein. De toute façon, là, ça va mieux. On est d'accord que là, c'est chez moi? Ouais, ok. Alors, allez! Avant de mourir, faut qu'on retrouve le chemin de la maison. C'est par là. Non, il faut qu'on soit de jour, parce que déjà que c'est compliqué comme ça, donc il faut vraiment que on fasse ça de jour. Hein. Donc, ça serait plus de l'autre côté. Je suis partie à droite, alors qu'en fait, a priori, c'est à gauche. On va aller voir. Hein. Ça sent le roussi. Non, c'est bon. Allez. Ah, il fait jour. Ah, ben ça va quand même mieux. Hein. Donc, ce serait de ce côté-là, la ville, plutôt. Je sais pas pourquoi, moi, je partais à droite, ça me paraissait logique que ça soit à droite, mais a priori, c'est pas à droite. Donc, on va aller voir par là. Ce serait à gauche, d'après ce qu'on a vu. Tu peux sprinter si tu appuies sur le bouton clé courir, mais cela épuisera ton endurance plus rapidement. Ok, ça marche. Oh, mais là, ça va comme ça. Ah, un monsieur. Tony, fais attention, il y a des clous sur le sol, j'essaie de réparer le pont, je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolée de ne pas te regarder, mais si je fais tomber ça, on risque d'avoir un gros problème. Dis-moi, si tu m'apportes le matériel, je pourrais peut-être finir plus vite. Qu'en penses-tu? Et nous pourrons discuter plus tard. Ouais, allez, ok, je vais t'aider. Merci, ça va vraiment nous aider tous les deux. Ok, donc c'est une quête. Nouvelle quête, un pont pour la ville. Ok. Je peux pas aller en ville, il faut réparer le pont. Alors, est-ce un coup de cœur ce jeu? Ben attends, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ça a l'air d'être bien. Hein, mais il y a vraiment beaucoup de trucs à comprendre et à faire. Donc, il faut réparer le pont, en fait. Donc, pour réparer le pont, il faut que je lui trouve des objets. Donc, attendez, on va aller voir dans quête. Pour le coup, est-ce qu'on a des on a quête là-haut? Là, c'est tout le tutoriel. Donc, ok, calendrier. Ok. Je
J'essaie de regarder tout ce qu'il y a là. Oh, ça te fait rigoler? Mais écoute, on essaie. On n'est pas comme ça, hein? Relation, d'accord, ça marche. Les finances. Je regarde tout ce qu'il y a, de toute façon. Ça marche. Alors, attends. Du coup. Ouais, c'est ça, hein? Je crois qu'il faut, faut réparer le pont. J'ai l'impression qu'il y a deux endroits pour aller dans le village. Est-ce qu'elle est quête quelque part? Ouais, c'est ça. Alors, un pont pour la ville, c'est ça hein, qu'il nous faut. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux? Rassembler les matériaux. Objet requis. C'est moi ou on voit rien? Vous avez vu? En rouge, vous pouvez lire ce qui est marqué? Moi, je vois rien. Ah, heureusement que j'ai ma télé derrière parce que je ne vois rien. Il faut 15 plats en bois. Plats en bois? Mais je fais comment ça? 10 pierres et 4 cordes. Ok. Il n'y a vraiment pas un autre moyen d'aller au village. Je vais essayer de passer par le bas. Des fois que. J'essaie de trouver un autre endroit pour passer. Ça va être plus simple que de réparer, à mon avis. Si jamais je peux aller par là. Non, non, heureusement que j'ai ma télé, hein, parce que je voyais rien. On essaye de gruger, de passer par le bas. Qu'est-ce qu'il y avait là? Sur la route du Nord pour arriver chez Goxinelle. Ok, ouais. D'accord, donc en fait, c'est des. Non, c'est la plage. Ah oh non, je vous assure que pour aller dans le village, faut qu'on répare le truc. Bon, peut-être que il nous faut du bois pour le coup. On essaie? Là, je fais quoi là? Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien ma hache là, non? J'ai ma hache ou pas? J'arrive pas à voir. Ah non, j'ai pas le bon, évidemment. Voilà. Allez, on essaie de couper du bois. Donc, il nous faut du bois. Ok. J'espère que ça repousse. Le sac est plein. Mince, ah oui, c'est vrai. Bon, attendez, on va aller ranger des trucs. C'est pas simple, hein? Non, là, c'est pour retourner au village. Allez, on va aller ranger des trucs, hein. Du coup. Donc, qu'est-ce qu'on va ranger? On va essayer de ranger toutes les choses dont on n'a pas besoin. Je sais plus comment on fait, du coup. Assis comme ça. Et puis, on va comme ça. Et mais là, je peux les mettre tout d'un coup. Ouais, c'est ça, en fait. Donc là, elles sont rangées, c'est ça? Pourquoi j'en ai encore? Parce que j'en ai encore plus, c'est ça? Allez, on essaie. Donc du coup, A, ZR. Normalement, ça les passe tous. Ok, ça bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Attendez, je ne me souviens plus de ce qu'il fallait pour... Ça, je pense que pour le moment, on va les ranger. On n'en a pas besoin. Ok. Ok, les champignons, je vais peut-être les garder au cas où. Voilà, faut qu'on ait de la place, hein. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, ce truc-là. Jeter cette balle pour les animaux de compagnie, elles joueront avec vous. Ouais, pour l'instant, on n'a pas d'animaux, donc on va la ranger, hein. Là, je vais ranger le ver de terre aussi. Enfin, les vers de terre, je sais pas. Et puis, quoi d'autre? C'est quoi ça? De la terre, du cuivre, on n'en a pas besoin pour le moment. Allez, on le range. Et la pierre, on la garde. On va garder la terre, la pierre, parce qu'on en avait besoin.
Du coup, allez, go. Alors, on va essayer d'aller récupérer notre bois qu'on avait commencé. Oh, j'ai une bébête, mais je ne peux pas l'attraper. Non, je peux pas. Il me faudra un filet, je pense. Allez, le bois, on le récupère ici. Voilà. Bûche en bois. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Bon, allez, on verra bien. Qu'est-ce qu'il fallait déjà? Pour la quête, je me souviens plus. Voilà. Oh, faut le temps de comprendre comment le jeu fonctionne, hein. Ok, bon, alors, du coup, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il fallait? On a dit, heureusement que j'ai ma télé, hein. Plat en bois, pierre et corde. Oui, mais je fais comment pour avoir ça, moi? C'est pas gagné, hein? Je peux pas l'attraper, la grenouille? Non. L'impression que je peux pas attraper la grenouille. Alors. Peut-être que je peux fabriquer des trucs. Je mange en même temps, c'est pour ça que je parle pas trop. Il n'y a pas de souci. Ah, cordes. Eh ben, nous allons faire des cordes. D'accord? Du coup. Plus. Vous n'avez pas. On peut en faire que deux. Bon, bah allez, on fait. Voilà. Ça se fait, les cordes. Des plats, il faut qu'on fasse aussi. Mais c'est long en vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit des plats. Donc, plats. Je peux en faire combien? 6. Allez, c'est en train de se faire. En fait, il faut attendre, hein, à chaque fois. Et bon? Ah ben c'est long, hein? Ça fait penser à Palworld. Il faut attendre, en fait. 63, ah bah oui, il y a les pourcentages en plus. Non, mais moi, mon gros problème, c'est que je ne regarde pas ce qui est marqué sur les écrans. Mais voilà, à chaque fois, c'est le même cirque, hein. Je regarde pas, je veux tout faire trop vite. Et à chaque fois, c'est le bazar à cause de ça. Allez, on regarde si on a ce qu'il faut ou pas. Zut de zut, tiens. 15 plats en bois, 10 pierres et 4 cordes. On va regarder. Cordes. On en a deux, c'est ça? Et les plats en bois. Ils sont où les plats en bois? On a bien fait des plats en bois, non? Ils sont où? Oh là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Vous êtes d'accord que on a bien fait des plats en bois? Ils sont où? C'est bizarre. C'est bizarre. Là, ils m'en font deux, là. A priori. On essaie de comprendre. Ok, j'ai deux plats en bois. Je peux en faire encore ou pas? Ah oui, d'accord, je peux même en faire 10, quoi. Mais non, on n'en a pas besoin d'autant. Bon, allez, on va en faire. On ira rechercher du bois. Le bois, c'est facile. Alors, des plats en bois. Oui, parce que de toute façon, il en fallait pour l'autre quête. On va voir si on peut faire le Shatterton, du coup. Hein? On va regarder. Oui, il faut attendre que le pourcentage soit fini.
trouver quelqu'un pour réparer la jetée. Ça se trouve, on a ce qu'il faut. On va voir, hein. Allez. Là, normalement, on devrait avoir tous les plats en bois qu'il nous faut. Je ne sais pas pourquoi il faut des plats en bois, mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc, est-ce qu'on peut faire du Chatterton? Oui. Et il nous en faut 5. Allez. Pas. Ah, on peut en faire qu'un, mince. Zut. Mais on peut, je ne peux pas en faire plus. Je peux en faire que un, en fait. Bon, c'est bête. Je sais pas ce qu'il faut pour faire le Chatterton, là. Est-ce qu'on nous dit... oui, on nous dit ce qu'il faut. Il faut de la graisse et de la fibre de plante. Ok, j'ai plus de fibre de plante. Ah, ça y est, les ennuis vont commencer. Hein. Alors, pour faire des fibres de plante, faut que je prenne ça et que je coupe des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Graines de blé. Ok. Mon sac est plein. Évidemment. Non, mais en fait, il faut qu'on se débarrasse de tout ce dont on n'a pas besoin. Hein. Donc, pour le moment, les graines de blé, on n'en a pas besoin. Donc, on va les mettre là-bas. De quoi j'ai pas besoin? En fait, les champignons, j'en ai pas besoin. Hein, au pire, pour le moment, on va se faire de la place. En fait, j'ai envie de ranger les pommes et de garder les noix de coco parce qu'on en a... Ah non, on n'en a pas plus. C'est à peu près pareil, quoi. Hein? Donc, voilà. Après, je pourrais ranger les outils dont j'ai pas besoin pour le moment. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas grave. Allez, pour le moment, on va récupérer les trucs qu'on n'a pas pu récupérer tout à l'heure. Fibre de plante. Donc là, est-ce que cette fois, on peut refaire du Chatterton? Alors, combien on va en faire? On va en faire 3, on en avait déjà un. Donc normalement, c'est OK. Normalement, là, on va être bon au niveau du Chatterton parce qu'on en avait déjà un, donc ça devrait faire 5, on va voir. Donc là, déjà, le reste des objets requis dans l'établi, ça va être fait. Et on va regarder s'il nous manque des choses pour récupérer. OK. C'est pas bon, là? Normalement, c'est OK, non? On va regarder ce qu'on a. Ah non, on en a 4. Il nous en faut 5. Mince. Donc, faut que je recoupe encore des fibres. Oh, le sac est plein. Ça, ça va nous enquiquiner direct. Hein. Je peux en refaire un. Parce que, de toute façon, c'est un qu'il nous fallait. Donc, ça, normalement, ça va être OK. Voilà, quête mise à jour. Bon, ça c'est bien. Maintenant, on regarde notre petite quête du pont pour la ville. Où il nous faut 15 plats en bois, 10 pierres et 4 cordes. Vous vous souvenez, hein? Donc du coup, ils sont où les plats en bois? Il faut qu'on en refasse. En fait, on a tout utilisé, je crois bien. La corde, c'était combien? Je ne sais plus. Ça y est. C'est un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas marqué ce qu'il nous faut au fur et à mesure. Hein. Bon, c'est pas grave. Mon sac est plein encore. Oh, là, c'est extrêmement pénible, ça, hein, quand même. Hein. Écoutez, je vais ranger l'arrosoir pour le moment parce que, de toute façon, on ne va pas l'utiliser pour le moment. Et on va ranger peut-être le marteau aussi pour avoir de la place parce qu'autrement, on ne va jamais s'en sortir. Ouais, je récupère des graines de blé alors que je voulais les ranger pour le coup. Ok. Voilà. Là, ça nous fait 3 places. Donc, construire un poêle. Créer votre première culture. Trouver quelqu'un pour réparer la jetée.
Est-ce que vous croyez que c'est fait ou pas? On va aller voir. C'était où le monsieur pour la jeter? Ça y est, je sais plus. C'est par là-haut, non? Hein, c'est là. Hein? C'est pour passer à la ville. Est-ce qu'il est encore là seulement? Oui, il est là. As-tu trouvé les matériaux? J'en sais rien. Je sais pas si on a tout ce qu'il faut. On va dire oui. On va dire tous les matériaux sont là. On verra. Si on les a pas, il va nous dire oh, tu te fous de moi ou quoi? J'étais sûre. Bon, alors attendez. Du coup, qu'est-ce qui nous manque dans l'histoire? On va récupérer un peu de. Voilà, de fibres de plantes au cas où on en ait besoin. Il nous faut du bois. On va prendre des ressources et puis on va finir ce qu'on a, ce qu'on peut faire là. Hein? J'étais sûre qu'il allait m'envoyer balader. Je le sentais bien. Bon, du bois. Est-ce qu'il y a des arbres par là? Ok. Ah, j'ai récupéré des pommes. D'accord, c'est comme ça qu'on récupère des pommes. Donc, du bois. En tout cas, bon, au niveau des ressources, le bois, l'herbe et tout. Coccinelle qui essaye d'arnaquer le monsieur. Bah ouais, je me suis dit des fois que ça marche. Bon, là, on a du bois et tout, ça devrait le faire. Bon, je vais redescendre chez moi. Alors. Du coup, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à voir. Là, ils nous disent ce qu'il nous faut. Est-ce que c'est ce qui nous manque? Je vois 15 plans en bois, 10 pierres, 4 cordes. C'est bizarre, hein? Alors, plats en bois. Combien on peut en faire? Allez, ben on y va. Hein. On fait les 10 plats en bois. Du coup, est-ce que je ferais pas bien d'aller dormir? On va en profiter pour ranger ça. Ah, punaise, j'ai plus de place dans le stockage. Ça le fait pas, ça. Là, c'est un autre stockage ou pas? Oui. Oh, heureusement. Parce que là, on était mal. Mais malgré tout, on arrive au bout du stockage. Hein. Falloir qu'on trouve une solution. Hein. Alors, c'est OK là? Allez, les 10, ça va être bon. Les plats en bois. OK. Ensuite, on nous a dit de la corde. Je sais plus combien il en fallait. Vous vous souvenez? Oh, j'ai la mémoire de poisson rouge. Hein. Bah, de toute façon, je peux en faire que 3 comme ça. Fibre de plante. Bon, on ira en rechercher au pire. Alors. Et qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? On regarde. Hein. Plats en bois, 10 pierres, 4 cordes. Et on devrait être pas mal là, non? Je suis pas sûre qu'on ait le nombre de plats en bois qu'il nous faut. Zut. On en a pas assez, hein? C'est 15 ans. Allez. Les pierres, on doit les avoir normalement. La corde, je suis pas sûre. Il en manque peut-être une. Allez. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là? Pas grand-chose, hein. Je peux réparer ça? Non. Ça, je peux couper? Non, je peux pas. Ah bah si, si je veux. Mais c'est bien, ça nettoie en plus, c'est cool. D'accord. Bon, ça, c'est cool, c'est bien.
Donc, on peut nettoyer un petit peu le tour de la maison. Je sais pas trop ce que c'est, ces espèces de briques là. Non, je peux rien faire. Allez. Ok. Mais en vrai, on commence à être pas mal, non? On retourne voir le monsieur. Pourquoi on ne voit pas où on en est dans la quête? Parce que 15 plans en bois, 10 pierres, 4 cordes, à mon avis, on est bon, hein? On essaye d'aller voir. Allez, on retourne voir le monsieur. Pourquoi j'ai du mal à avancer? Est-ce que je suis fatiguée ou... Ah ouais, je suis fatiguée. Allez, on dort avant d'y aller. Puis on va retourner voir le monsieur pour voir si cette fois on a... Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas où j'en suis dans la quête. Il doit y avoir un moyen, non? Allez, j'ai faim, j'ai soif, je crois bien. On va manger, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a à manger? Des pommes. Alors, comment on a dit qu'on faisait pour manger les pommes déjà? Comme ça? Yes. Ok. Allez, on va se manger correctement, hein. Tout. Ok, ensuite, j'ai soif, c'est ça? C'est quoi le petit... Où je suis... C'est quoi le petit truc qui clignote? Je sais pas trop, hein. Moi, je veux bien boire. C'est ça, hein? Waouh! Ah si, on en a à côté des bouteilles. Donc, ça va. On va voir le monsieur. Ah, il y a du courrier. Salut, je voulais juste te rappeler que ma boutique est ouverte tous les matins. Viens me voir si tu veux acheter des trucs. Je change mon inventaire chaque saison aussi. Et je peux aussi acheter tes trucs. Juste, tu sais, mais pas trop cher parce que je ne roule pas sur l'or. Au revoir. Bah oui, ils me font des messages, ils m'envoient des messages, les gens de la ville. Bon, allez. On va voir. On va retourner voir le monsieur. Normalement, je pense qu'on est pas mal, hein. Moi, je ne sais pas pourquoi je me dirais qu'on est bien. Alors, as-tu trouvé les matériaux? Voilà, c'est bon! Je trouvais pas que ça manque de musique, le jeu. Je trouve que ça manque un peu de musique, moi. Il y avait de la musique au début, mais là... Je trouve que c'est pas top. Je me demande s'il faudrait pas que j'aille voir dans les options. Je vais pouvoir accélérer. Repose-toi bien chez toi, ça sera prêt demain, je n'en doute pas. Oh, c'est cool! Bon, du coup, ça y est, le pont pour la ville, c'est ok. Où sont les options dans ce jeu? Est-ce qu'on a des options par là? Parce que j'irais bien regarder. Je trouve que ça manque de... Ouais, demain, on pourra aller en ville, donc. Enfin, bah ouais, hein. C'est où les options du jeu? Ah, c'était peut-être pas là. C'était peut-être là. Réglage. Alors, y a-t-il un réglage pour la musique? Bah ouais. On va mettre à fond, franchement. Parce que je trouve qu'on n'entend rien. Oui, un petit peu plus de musique. Enfin bon, c'est pas flagrant non plus, hein. Ouais, c'est bien, t'as vu, Inès? On a réussi. Ce qui me gêne, c'est que on doit quand même bien pouvoir voir où en est la quête. Parce que là, on ne voyait pas, hein. C'est trop bizarre. Connaître les bases, donc construire un poêle. On essaie de regarder ça. Il y a une petite musique, mais vraiment très légère, hein, pour le coup. Hein. Vous l'entendez? Vous me dites si vous entendez la musique. Hein. Un poêle, c'est où? Oh, ça manquait un petit peu de musique. Hein. Vous avez vu passer le poêle, vous? Je n'ai pas vu ça, moi.
Clé. On peut faire une clé. Ah, non, j'allais dire c'est. C'est pas classé par ordre alphabétique. J'ai pas vu pour faire un poil. Hein. La musique du jour, on dirait une perceuse, on va s'endormir, mais c'est clair. Regardez. Bouteille vide, carte au trésor. Je vois pas pour fabriquer de poils, moi. Seau. En fer. Morceau de ruche, machette, engrais. Je vois pas de poils. Hein. Donc, je sais pas. C'est peut-être pas là, en vrai. Pour le moment. Trouver quelqu'un pour réparer la jetée. Découvrez votre histoire. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dormir. Tant pis. Pour essayer de voir si on peut aller à la ville, quand même. Du coup, j'ai envie de dormir 12 heures. Voilà. Parce que je ne voudrais pas être la nuit. Si je fais 7 heures, on sera la nuit. C'est nul. Allez. On dort. Ok, ça marche. Le pont pour la ville. C'est mis à jour. On va voir. Hein. Et c'est la nuit. C'était le jour. Ah ben oui, j'ai mis 12 heures. Forcément, c'est la nuit. Quelle idiote. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va peut-être pas y aller la nuit. On va peut-être pas y aller la nuit parce que les magasins vont être fermés. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, si je mets 6 heures, c'est bon, non? On va voir. Normalement, je devrais être le matin. C'est quoi le bruit? On est d'accord qu'il y a de l'orage? Non, il fait toujours nuit. C'est nul. Comment faut-il faire? Comment faut-il faire pour y arriver la journée? 7 heures? Est-ce qu'on va arriver la journée? Ah ouais, d'accord, je vois au-dessus. Ouais, d'accord, carrément. Là, on va être la journée, mais il est déjà 10 heures. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est mieux. Tiens, allez. On y va. Je pense que quand je sélectionne au-dessus, ça doit être marqué l'heure à laquelle je vais me réveiller. On regardera. Est-ce qu'on va pouvoir passer à la ville? Ouais, on aurait dit un orage, t'as vu? Oui, on a le pont. C'est cool. Pont, découverte d'un nouveau lieu. N'empêche que la ville, je sais pas vous, mais dans ma tête, dans un jeu vidéo, c'est à droite. Là, du coup, je suis étonnée que ça soit à gauche. Ça vous fait pareil ou pas? Ou je suis bête? Je suis bête. Peut-être. Allez, c'est un peu long les temps de chargement. Hein. J'espère qu'elle va être sympa. Après, je comprends, c'est la ville, à mon avis. Il va y avoir beaucoup de trucs. C'est pour ça. La musique a changé. Ok. Ah, c'est quoi celui-là? John. Hey, salut. Je ne me souviens pas de t'avoir vu ici, mais ma mémoire n'est pas aussi bonne qu'avant. Vous savez pourquoi? Oui, ça te fait bizarre aussi. Toi aussi, Valetta, parce qu'en fait, dans beaucoup de jeux vidéo, et eh ben on va à droite en fait. Hein? On est d'accord que quand on progresse dans un jeu vidéo, souvent on va à droite. Là, ça fait bizarre d'aller à gauche pour le coup. Alors, qu'est-ce que ce vieil homme peut faire pour toi? Évidemment, ça ne marche pas mon histoire. Pas grand chose en fait, je m'appelle Coccinelle, j'essaie de faire connaissance avec tout le monde ici. Je m'appelle Coccinelle, j'ai besoin de rien, je faisais que passer. Je m'appelle Coccinelle, je faisais que passer, mais ça me fait plaisir de faire ta connaissance. C'est quoi déjà ton nom? Ben non, je sais, c'est John. On va lui dire ça. Ah oui, je m'appelle John. Oui. Je suis
Comment dire quelqu'un qui aime vivre une vie simple, je ne me soucie pas trop de certaines choses. Tu peux me trouver près de ma tante, j'aime marcher autour de la plage et contempler l'océan. N'oublie pas, si tu as une pièce en trop, de temps en temps, je suis surpreneur. Ok, d'accord, donc lui, il faut lui donner des sous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Une petite tente. C'est là sa tente. Ok, donc il habite ici, lui. Coxville, découverte d'un nouveau lieu. Ok, là il y a une abeille, mais on ne peut pas l'attraper pour le moment. Tu peux obtenir des quêtes au centre-ville, mais tu dois d'abord parler aux gens pour qu'ils apprennent à te connaître. Finalement, ils commenceront à afficher des quêtes sur le tableau. Elle est mignonne la musique. Ça endort moins là, du coup. Qu'est-ce que c'est ici? Je peux rentrer là? Ouais. Ah, c'est chez quelqu'un, pardon. Alors, comment elle est cette ville? Oh là, mais attends, c'est quoi ce grand bâtiment là? C'est bizarre. C'était quoi ce gros truc? On est d'accord que c'est chelou, non? Ah d'accord, il y a un petit café. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut... Je peux pas y aller. Je voulais aller jouer de la musique. Ok, non mais c'est pas ouvert en vrai. C'est peut-être ouvert le soir pour le coup. Un petit banc, je peux m'asseoir ou pas? Oh zut, c'est nul. Attends, je peux pas? Je veux vraiment pas m'asseoir. Non, c'est bête. Je voulais m'asseoir. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est grand cette ville. Ah, je peux pas y aller là? Si, je peux passer. C'est quoi ça? C'est marrant ça, non? On peut y aller ou pas? Non, ça a l'air d'être fermé. C'est un food truck en fait. Peut-être qu'on peut manger ici. Là, c'est quoi? Une ville fantôme. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les maisons. Hein. En fait, c'est chez les gens. Tu peux rentrer chez les gens comme ça, quoi. Tu vois? J'aime bien les changements de musique. C'est marrant. Ici, c'est la place du village, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Attends. Il y avait bien... Ah, non! Ah non! Je suis en train de cueillir des fleurs. Quelle idiote. Je pensais que c'était avec ça que j'interagissais, mais non. Ici. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas s'asseoir. Franchement, je trouve ça trop dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, là, il y a du monde. On leur parlera après, au pire. Hey, Coccinelle, ça va? J'étais à la recherche d'Ivy tout à l'heure. Quand je suis retournée à mon atelier, j'ai remarqué que ma hache en fer avait disparu. Peux-tu me trouver une hache en fer d'ici quelques jours? Ouais, ça fait vide, je suis d'accord. Hein. Bah ouais, voilà, allez, il faudra qu'on lui trouve une hache à lui. Ici, c'est quoi, la mairie? Non, c'est à nouveau une maison, c'est une grande maison. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Je suis d'accord. Hein. Là, il y a une pompe. Je peux faire quelque chose avec? Non, rien. Je me demande à quoi ça sert, ces trucs-là. Je peux pas interagir avec. Ça, c'est quoi? Une école? Elle est belle, la place, oui. Oui, c'est une école, il n'y a personne. Je pense qu'il va peut-être falloir faire venir des gens, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vide, peut-être, qu'il faut faire venir des gens? C'est le grand parc où nous célébrons les grands événements. Pff, ok, c'est le grand parc, donc. Cool, on va discuter avec la petite fille. Alina, et toi, tu as perdu ton chemin? Si c'est le cas, tu peux utiliser une de mes cartes de la région. Tu sais, ces choses avec des signes dessus, fabriquées avec du papier, tu vois? Pourquoi tu me regardes comme ça? Merci, jeune fille, mon nom est Coccinelle, je viens d'arriver ici. Donc, je m'habitue encore à la ville. Oui. Ah, je vois. Bienvenue à Coxville. Je suis petite, mais j'apprends vite. Un jour, j'inventerai une belle machine pour quitter cet endroit. Elle a envie de s'en aller, elle. Enfin, j'aime cet endroit, mais je veux plus d'aventures. Je veux apprendre tout ce que ce monde a à offrir. Me faire de nouveaux amis, étudier, faire des robots. Ah, ok. Je pourrais t'en dire plus une autre fois. Au fait, je m'appelle Alina. Au revoir. Ok.
Le but, c'est aussi de connaître les gens qui sont là, quoi. Donc, il y a le petit garçon. Salut, je m'appelle Chavez et j'aime beaucoup la nourriture. C'est quoi ton nom? Comment ça va aujourd'hui? Bon, je pense que ça n'a pas grande importance. Tu aimes quel genre de nourriture? Ravi de te rencontrer, Coccinelle. Mon plat préféré, c'est le sandwich au jambon. Oh, tiens, moi aussi, j'adore ça. Je pense qu'il a été créé par les dieux pour illuminer la vie des gens. Le meilleur jambon disponible provient d'une plante spécifique. Et le meilleur moyen d'en trouver, c'est de chercher dans les montagnes. Ok. Ok, je suis son ami maintenant. Reparlons une autre fois. Lui. Samuel. Samuel, j'avais entendu ce prénom. Oh, où en étais-je? Je me souviens pas si ce type essayait de se cacher ou d'aller travailler. Oh, désolé, je pensais au dernier livre que j'ai lu. Tu dois tout juste venir d'arriver en ville, car je ne crois pas qu'on se soit déjà vu. Qu'est-ce qu'on lui met? Allez. Ah oui, honte à moi, parfois je suis sur notre planète. Tu devrais essayer, c'est bon pour la créativité. Nous avions une bonne bibliothèque ici. Elle existe encore, mais il manque des livres. Les pirates viennent ici en pensant qu'ils peuvent trouver des trésors, alors ils finissent par détruire des livres ou les prendre. Je voudrais vraiment lire des histoires différentes. Plus que ça, en tout cas, certaines proviennent de nos terres. Peut-être qu'un jour, quelqu'un partira à l'aventure et me racontera de nouvelles histoires. Et ah, j'oubliais, je suis Samuel, reparlons une autre fois. Ok, ça marche. Je lis pas tout, hein, parce que c'est beaucoup à chaque fois. Il y a beaucoup de blabla, en fait. Ah, c'est la pharmacie ou l'hôpital. Je sais pas. Oui, c'est un hôpital. Il y a personne. Bon, tant mieux, à quelque part. C'est-à-dire que les gens ne sont pas malades. Elle est grande, cette ville, en vrai. Vous trouvez pas? C'est grand, hein? Ici, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop, un petit parc. À nouveau une maison. Ouais, ils racontent beaucoup de choses, les gens. Bon, les maisons sont vides, hein. Je pense qu'il faut faire venir des gens, en vrai. Ils nous avaient dit un peu au début, hein. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ici. Il y a des gens. Ah, c'est le Tony. J'aime ça. As-tu trouvé l'objet? Non, je n'ai pas encore trouvé. T'inquiète pas. Là, c'est qui? Oh, bonjour, je m'appelle Ivy. Ravie de te rencontrer. D'habitude, je ne reconnais pas les visages. Mais comme c'est une petite fille, on connaît vite tout le monde. Une petite ville, pas une petite fille. Et toi, parle-moi un peu de toi. Je suis sûre que tu apprendras à connaître tout le monde. Alors, voilà, je vais travailler sur ma nouvelle propriété. À plus tard, où il manque le D. Il y a des fautes. Ok, c'est toujours la ville là-haut? Bon, il y a moyen d'explorer, hein. On est où ici? Je t'ai découverte d'un nouveau lieu. Ok, il pourrait bien m'apprendre à pêcher celui-là, non? Diana, elle. Halte, qui va là? Qui es-tu, d'où viens-tu? Je m'appelle Coccinelle. Mais tu es la nouvelle personne. Je suis vraiment désolée. Je savais que quelqu'un allait emménager sur l'île, mais personne ne m'avait dit quand. Encore une fois, j'espère que tu pourras me pardonner. Je suis la gardienne de la ville. Ah, mais c'est vrai, il faut qu'on trouve... il faut qu'on trouve quelqu'un. On l'a pas trouvé encore, d'ailleurs. Allez, on la laisse causer, hein. L'ancienne. Allez, on trouve l'ancienne et puis après on arrête là pour ce soir. Il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le jeu, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on essaye de trouver la personne qui s'appelle l'ancienne. J'aurais vu un peu peut-être comme un maire, non? Un coffre. Éclat bleu. Ok. Attendez, je suis déjà à moitié paumée, là. C'est quoi, ici? Jeté de Coxville, ok. On est venu par où? Attendez. Je sais plus où je suis déjà.
T'es où? C'était là la carte, hein? Ok, je suis là. Donc, faut que je redescende. D'accord, on est la petite étoile blanche. Eh, mais en vrai, il est grand le monde, hein? Mine de rien. Bon, donc là, faut que je redescende. Ok. À chaque fois qu'on change de lieu, ça change de musique, en fait. On trouve la personne qui s'appelle l'ancienne. Qui serait où, à votre avis? Oh, il commence déjà à faire nuit. Où pourrait se trouver l'ancienne? J'en sais rien, moi. Là, il n'y a personne, hein? Ah, attendez, on peut monter. Bon, il n'y a personne non plus au-dessus, hein? Où est-ce que vous pensez que pourrait être ce personnage qu'on cherche? Ça devrait être quand même facile à trouver normalement, non? Non, ça c'est Ivy. Avec les cheveux verts, là. Où pourrait être la personne qu'on cherche? Là, on est allé. Il n'y a personne. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui doit se balader. Qui doit se balader dehors, non? Ça me paraît bizarre. Qu'on soit obligé de chercher comme ça. Ça doit être assez facile à trouver, normalement, non? Et il fait nuit, bien sûr. Est-ce que j'ai encore trouvé des gens? Déjà que de jour, il n'y a personne. Alors, de nuit, je vous raconte même pas, quoi. On est d'accord qu'à l'hôpital, il n'y avait personne, hein? Non. C'est très vide. Ici, peut-être? On est allé là ou pas? Non, ça, c'est l'école. Waouh! C'est pas si évident, hein? Là, on est allé, hein? Je veux pas déranger qui que ce soit. On est mal barré. Moi, j'ai pas vu cette personne, hein. Je sais pas. C'était pas le petit monsieur qu'on avait vu là, de toute façon. Parler à l'ancienne. C'est qui l'ancienne? C'est une vieille personne. C'est ça? Non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Puis là, j'allais dormir parce que... Les journées sont assez longues, mais il y a tellement de trucs à faire. Si on ne peut pas se téléporter, ça va être chaud patate, hein, quand même. Hein. Il y avait quelqu'un dans le jardin de la maison? Attends, je vais dormir, je reviens de jour. Hein. Dans la grande maison? Ok. Je vais dormir et on revient. Parce que là, de nuit, je trouve ça pas cool, quand même, hein. On va vérifier là pour dormir si... Donc il est 19h33. Donc on dort combien de temps? On dort 10 heures, on est pas mal. Hein? On va être pas mal. Voilà. Là, ça nous fait nous réveiller très tôt le matin. Donc comme ça, ça va nous faire une grande journée. Je vais te rappeler que je crée et je vends des bateaux. Ok? Ça marche. Je vends des bateaux. D'accord, ça veut dire qu'on pourra utiliser des bateaux, franchement. Non, il y a énormément de trucs à faire, je trouve, dans le jeu. Allez, on retourne. Donc tu disais que dans la grande maison, il y avait quelqu'un dans le jardin. On va regarder, hein. Autrement, c'est un jeu tranquillou, hein, quand même, je trouve. Hein. Le temps, il faut comprendre les... Eh, te revoilà, Coccinelle! Il
faut comprendre les commandes, il y a pas mal de trucs. Et après, ça va. Allez. Donc, tu disais dans la grande maison. On va aller voir, hein. Alors, celle-là? Non, c'était pas celle-là. C'était une grande maison, tu disais. Celle qui est là-bas au fond. Celle-là? Dans la grande maison ici? Oui, il faut le temps de s'habituer au jeu, mais c'est clair. C'était dans ce jardin-là, Chachalou, t'avais vu quelqu'un? On va aller voir si des fois elle n'est pas dans la maison. Parce que ça, c'est quand même une grande maison pour le coup. T'avais vu quelqu'un ici? Ah, bonne soirée, bonne nuit, coccinelle. Repose-toi bien. Bon, c'est elle que t'avais vue, peut-être dans le jardin. Elle est là. Tala. Bonjour mon enfant. Ce pourrait bien être l'ancienne, ça, non? Ouais, elle y est plus, mais non, elle est dedans en fait. C'est agréable de voir un nouveau visage sur notre île. Mon nom est Tala. J'espère que tu aimes les histoires, j'en ai beaucoup à raconter. Ça pourrait bien être ça, hein. Je sais combien il est difficile de commencer une nouvelle vie. Quel est ton nom déjà? Je m'appelle Coccinelle. Allez. Vous croyez que c'est elle? Elle est ancienne, non? Tes parents m'avaient beaucoup parlé de toi. D'accord, je vais mettre... Tu connais mes parents? Oui, c'est la première fois que tu es sur cette île et je vais devoir t'expliquer beaucoup de choses. Je vais commencer par te dire, tes parents ne sont pas vraiment tes parents. Ah. Au moins depuis ta naissance. Mais les vrais parents sont ceux qui aiment et prennent soin de leurs enfants. Quoi qu'il en soit, un jour on a trouvé un bébé sur une plage de Blue Shell, au sud-ouest de cette ville. Ce bébé, c'était toi. Va y faire un tour quand tu auras le temps. Dans tes affaires, qui n'étaient pas très nombreuses, il y avait une bouteille avec un message à l'intérieur et une note à l'extérieur. Oh, voilà, oh là là, elle nous apprend des choses. Oui, celle-ci est dans ses notes. Je me souviens très bien, il était dit « Apprends l'histoire du monde et des six éléments. Lorsque tu trouveras le bon endroit, tu pourras ouvrir la bouteille. » Waouh ! Tu dois apprendre à lire l'histoire du monde. Les trois livres anciens, ok. Mais quelqu'un a volé ces livres, les pirates. On va faire le tout, le... On va faire les... Je suis presque sûre que ce sont des pirates, ouais, c'est ça ! Qui ont commencé à nous attaquer. Tu devrais peut-être commencer à chercher dans les îles où il y a des pirates. Ouais, non, mais attends, deux secondes. Je sais, c'est dangereux. Je suis sûre que tu as des questions, je t'écoute. Alors, pourquoi mes parents ne m'ont-ils rien dit? Ok, ça marche, Inès. Pas de souci, de toute façon, je vais arrêter. Je pense que c'est elle. Je veux juste être sûre que c'est elle qu'on devait trouver. Et après, on va arrêter. Mais il faudra qu'on aille dodoter... arrêter parce qu'autrement j'ai peur que ça sauvegarde pas. Ils voulaient te protéger, c'est tout. Je leur ai dit que je pourrais t'aider à comprendre. Ok, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Faut que je lui pose toutes tes questions. Je pense qu'il y a des pirates sur presque toutes les îles. Ok, c'est dangereux. Ça marche. Faut utiliser le bateau. Essaye de vivre au mieux ta nouvelle vie. Ça marche. On fait ça. Bonne soirée, ma petite Inès. Merci d'être venue. Le pub a besoin de nourriture et de boissons. L'atelier a besoin d'outils, de matériaux. Oh là là, il y a plein de choses à faire. D'accord, ça marche. Ils te laisseront des lettres, voilà, pour te demander ce qu'ils veulent. Ça marche. Impeccable. Très bien, tu as beaucoup de choses à digérer. En fait, c'est elle est le tutoriel, elle. Essaye d'apprendre. Voilà. C'est bon.
Regardez. Découvrez votre histoire, trouvez les livres manquants et rendez-les à l'ancienne. Donc c'est une quête et donc il faut trouver les 3 livres et ce sont les pirates qui les ont volés. Ouais, ok, ça marche. Bon, ben ça va, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez? Au début, c'est dur, hein. Il faut le temps de digérer un petit peu le début du jeu, hein, je trouve. Hein. Mais après, franchement, ça va, quoi. Salut Coccinelle, je voulais faire de la purée de pommes de terre pour le dîner, mais je n'ai plus de boîte chauffage, pourrais-tu m'en apporter? Ok. Bon, bah écoutez, en repartant à la maison, on va essayer de lui laisser du bois, je dois en avoir sur moi. Attendez, je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'on repart, du coup. En fait, on peut aller un peu n'importe où, c'est quand même très ouvert, hein. On a vite de se paumer, je trouve, hein. Bon, il est où? Lui, on l'a pas vu. Gump, salut, comment ça va? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fais? J'ai tellement de choses à faire, je trouve toujours le temps pour une bonne discussion. Moi, c'est Coccinelle. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Gump, je suis le propriétaire de la taverne. Ok, ça marche. J'ai parfois des recettes dans ma taverne. Passe me voir. Des recettes de cuisine secrètes. C'est cool. Attendez, il est où le John, là? Oui, on lui parlera une autre fois, lui. Je voudrais retourner chez moi, en vrai. C'est par là, hein? Alors, il est où? Non, c'est pas par là. C'est un vrai labyrinthe, je vous jure. Non, c'est pas par là. Il y a une grenouille. Oh, c'est pas vrai, faut que je regarde ma carte. Mais il n'y a pas un moyen plus rapide de regarder la carte, parce que je vais rester dessus, en vrai. Hein. Non, en fait, il faut que je monte. Je suis pas du tout au bon endroit. Vous avez vu? Allez, je monte. Si je peux. Ouais, c'est là-haut. C'est au-dessus, en fait. Ah, et puis il faut le temps de comprendre où on en est. Hein. En fait, c'est par là-haut. Voilà. Tchouk. On parlera aux autres la prochaine fois. Maintenant, on a compris un peu comment ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Hein. C'est lui, hein. Alors, j'espère qu'on a assez de bois. Mince. Bon, allez, on coupe le bois, on fait ça. Et on va sauvegarder et on arrête pour ce soir. Parce qu'on a déjà bien avancé, mine de rien. Je peux pas? Pourquoi je peux pas couper? Pourquoi je peux pas couper les arbres? Bon, moi, je peux pas. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Ça marche pas, tant pis. Peut-être que je peux pas couper les arbres quand je suis pas sur mon terrain. Je sais pas, peut-être. Hein. Bon bah tant pis, hein. On lui apportera la prochaine fois du coup, parce que là il va y avoir le temps de chargement. Bon écoutez, franchement, je trouve que, voilà, comme ça, on a l'impression que ça fait petit jeu très gentil et tout. Je trouve qu'il y a pas mal de trucs à avaler avant de pouvoir jouer correctement. Là, ça va. Je commence à comprendre comment ça marche. Mais au début, c'est pas si évident. Hein. Alors, ici, je peux ou pas? Ici, je peux. Du côté de la ville, je peux pas. J'espère que ça repousse. Ouais, c'est les arbres du terrain, en fait. Ok. Allez, on est gentil, on va les lui donner, va. Ouais, je pense qu'on ne peut pas couper où on veut. On va aller lui donner. C'est bon, j'espère que j'en ai assez. On va voir. C'est long, hein. Petit temps de chargement de la ville, là. J'aime bien la musique de la ville. Tout, 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 tout.
Non, mais c'est marrant en vrai. Faut juste le temps de comprendre, c'est tout. Hein. Normal, hein. Allez, est-ce qu'on a tout le bois? Ah non? Bon, eh ben écoute, hein, tant pis, ça sera pour la prochaine fois, mon coco. Je sais plus combien il en voulait. C'est pas grave. Bon, on a bien avancé, on a compris comment le jeu fonctionne. C'est une bonne chose. Allez, on se reprend le temps de chargement. Là, je vais dormir. Il y a des bruits bizarres des fois dans le jeu, je trouve. Allez. Et puis pour la prochaine fois, il faudra absolument que je regarde cette histoire, vous savez qu'on avait au début là, pour rentrer le code, parce que je pense que c'est le code de l'édition limitée que j'ai acheté. Hein. Donc il faut absolument que j'arrive à le rentrer, ce serait bête. A priori, ça sera sur mon email, donc il faut que je regarde comment je peux me dépatouiller. Allez, go. Bon bah écoutez, hein, on va regarder ça. Là, il va falloir qu'on voit comment on peut ranger tout ce petit bazar. Je ne sais pas du tout. Ah ben en fait, si. Pour nettoyer, il faut que je fasse ça. J'y vais à la hache, quoi. Ouais. Même les sacs poubelles. À la hache. Ouais, c'est pour avoir juste l'intérieur de la maison un peu plus propre, quoi. On a au moins fait un peu des trucs propres. Et coucou la figurant, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? J'ai bientôt arrêté, tu sais. Ouais, je suis là depuis 18h30 et là je vais arrêter. T'as entendu parler qu'il y avait des DLC? Mais non, mais je voulais pas casser la télé. Non, ça non plus, je pense qu'il vaut mieux que je le répare en fait. Bon, bref, on va pas tout casser, hein, c'est nul. Bref. là, moi, l'édition que j'ai achetée, c'est l'édition Paradise Edition. Donc, normalement, on doit avoir un code à télécharger, mais j'ai pas, c'était pas à l'intérieur de la boîte. Donc, je sais pas trop. Ludo va bien, mais écoute, je sais pas s'il est encore sur le chat. Il est pas avec moi ce soir. Il est bien ce jeu. Ben écoute, tu sais quoi, le figurant, on a eu du mal à démarrer. Et puis, au final, maintenant, là, voilà, on commence à comprendre. Mais ça, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, hein, franchement. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de commandes, il y a beaucoup de trucs à faire. Donc... Ok, partie sauvegardée. Bon, ça, c'est bien. On verra plus tard pour... Oui, c'est la nuit, en plus. Bon, bah écoutez, on va arrêter ici. Et puis, je vais essayer de trouver ce code-là pour avoir le contenu spécial de mon édition. Je vais voir comment on fait. Et puis... Non, parce que... Ouais, il faudra que je vois ça. Je ne sais pas trop, en fait. Là, il me semble que ce qu'on est en train de faire, c'est l'édition de base. Je suis pas sûre, en vrai. Hein. Faudra que je regarde. Il y a un code à télécharger, j'ai pas réussi. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne fin de dimanche soir. Et puis, on se retrouve... Peut-être que je referai un live assez rapidement sur ce jeu. Parce que bon, il faudrait quand même qu'on avance un peu maintenant qu'on a compris comment ça marchait. Et puis, on regarde ça, je sais pas... on est dimanche soir, je serais capable de faire mardi, si tout va bien, pourquoi pas mardi. Mardi ou jeudi, d'accord? Hein? On avance. Ok? Ça vous le fait? Allez, plein de bisous. J'ai pas un papier dans ma boîte. Bah écoute, je sais pas dans ma boîte. Un papier dans ma boîte? Je sais pas. Écoute, on verra bien. Allez, je vous fais des bisous. Bonne fin de soirée les gens, bon début de semaine et on se retrouve soit mardi, soit jeudi, je vous redis ça sur le groupe Facebook. Bisous, bisous!
Thank you.
Thank you.